Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers auditeurs, bonsoir chères auditrices, bonsoir à tous les élèves de la classe Éclaireur Pro Vérité. Bienvenue en ce 7 septembre 2023 sur la plateforme par excellence où nous cherchons simplement à convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit. C'est aussi la plateforme de la fraternité où nous acceptons tout le monde avec pour seule condition la vérité et le respect. Merci à tous ceux qui croient en nous. Merci à tous ceux qui partagent cette vision de l'existence humaine. C'est un énorme plaisir et une marque de respect pour nous et nous vous en sommes plus que reconnaissants. Aujourd'hui, c'est la voix du militant. L'éclaireur en personne n'a pas le droit de dire assez de choses. C'est la tribune aujourd'hui pour écouter plus, pour apprendre avec vous, les auditeurs et les auditrices. Nous disons donc que la science est complètement ouverte. Tous ceux et toutes celles qui veulent la parole peuvent déjà la prendre pour essayer d'exercer leur droit de citoyen qui est le droit de pouvoir s'exprimer librement. En attendant les premières personnes qui voudraient bien prendre la parole, je salue ici notre frère bien-aimé Léopold Camus de Cotonou. Je salue aussi notre mère qui vient de déclencher l'émission du jour. Et nous allons donc la prendre et déjà débuter avec elle pour pouvoir gagner en temps. Allô? Bonsoir, chère mère, comment allez-vous? Ça va. Bonsoir, mon éclaireur pro de vérité. Bonsoir à vous. Comment va la famille? Ça va. Dieu merci. Que la grâce divine soit. Merci. Ok. Donc, vous avez la parole. Ok. Bonsoir à toute la classe. Bonsoir à tous les auditeurs, auditrices. Bonsoir à tous les Chao Mao. Et voilà encore un autre jour qui se présente à nous pour défendre la Côte d'Ivoire. Et moi, ça va concerner la jeunesse de Côte d'Ivoire. Déjà avec ces élections municipales et régionales qui ont eu lieu, je remercie vraiment les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens, vraiment ceux qui ont des biens en Côte d'Ivoire, ceux qui ont des projets en Côte d'Ivoire, ceux qui ont de l'avenir en Côte d'Ivoire. Je les félicite pour ce grand événement, pour le bras d'or, pour le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, que j'ai toujours nommé le fils de l'homme, qui pour moi est le Jésus, qui démontre encore que vraiment la jeunesse commençait à travailler, commençait à être conscient. Parce que cette nouvelle génération dont on parle, cette nouvelle génération dont on parle, c'est vous, la jeunesse de 0 à 45 ans, c'est vous. C'est vous, hein? Vous qui êtes là depuis 90, qui avez supporté le président Alassane Ouattara pour ses œuvres qu'il a posées depuis le temps du président Félix Houphouët-Boigny, notre grand-père, grâce à qui on a connu le Prado. Donc la jeunesse, moi aujourd'hui c'est de vous que je parle, la jeunesse. Réveillez-vous. Parce que vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez démontré que oui, vous n'êtes plus dans les histoires de sortie. Allez-vous entretuer. Allez-vous faire tuer. Tous les gens de RHDP qui ont gagné, vous avez intérêt à travailler, parce que les grandes œuvres là, c'est le Prado qui fait. Les communes où le président soi-disant n'a pas gagné là, alors que c'est lui qui fait le son là-bas. C'est le Prado qui travaille là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire le contraire. Investis en Côte d'Ivoire, qui te cache derrière cette page-là. Au nom de Dieu, je jure devant Dieu, Éclaireur Pro Vérité, c'est l'analyse politique du 23 août, je dirais. C'est aujourd'hui que j'ai écouté et j'ai appris que oui, investir en Côte d'Ivoire, c'est une taupe des opposants. Je vous jure, alors qu'il y a quelques jours, quand j'ai demandé à Éclaireur Pro Vérité comment on fait pour envoyer les commentaires, tout ça, les messages écrits, il m'a expliqué. Mais quand je regarde souvent sur la page d'Investir en Côte d'Ivoire, je vous jure que j'étais souvent
dépassé. Parce que quand tu dis oui, c'est cuit au plateau, c'est cuit à poivre, c'est cuit ou là encore à macaroni, je ne sais pas quoi là. Mais ce qu'il oublie, c'est que c'est le Prado qui travaille là-bas. C'est le président Alassane Draman Ouattara qui travaille là-bas. Donc, les détourneurs de fonds, là, vous voyez la jeunesse, quand je vous dis, faites vous-même votre prodada, faites vous-même votre atalakou, travaillez votre cerveau là pour que vous avancez. Arrêtez de suivre les fauriens, parce qu'ils sont là pour vous sacrifier. Vous voyez? La jeune fille qui a fait Miss Côte d'Ivoire, que son père s'appelle Yassé, à Cocody, vous voyez, vous devez tellement honorer cette fille, honorer le nom de son père. Mais aujourd'hui, ils se sont basés dessus pour tricher le plateau, pour tricher Cocody, pour tricher Macori, pour tricher Pabwe. Mais tout cela, c'est le plateau qui fait toujours le travail. Ils n'ont jamais rien fait. Tout Côte d'Ivoire, c'est le président qui travaille. Donc, vous, les maires, les députés, les régionales, les conseillers régionaux, ou bien régionales, je ne sais pas moi, mais c'est français, je dis ça, tandis que vous comprenez. Ceux là, aujourd'hui, là, travaillez pour qu'on voit le travail du Prado, du président de la République de Côte d'Ivoire. Travaillez. Faites des efforts dans vos vies, là. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire, là, j'ai déjà dit. J'ai dit, la R, c'est une nouvelle chaîne, là. C'est Afrique Média numéro 2. Parce qu'ils n'ont pas le propagande des opposants qui veulent un coup d'État, qui aiment un coup d'État. Et puis, il n'y a pas, et puis, Fabé, Andrien, là. C'est pas toi, quand les 49 soldats, là, ils étaient encore dans le pays des putschistes terroristes, là, au pouvoir au Mali, là. C'est pas vous qui avez encouragé que le président aille déloger. Allez prendre les 49, même s'il faut qu'il y ait la guerre, va bien Andrien là. Toi qui es caché derrière ton soi-disant journalisme là, qui fout la merde sur les réseaux sociaux là, qui fait semblant là, tu as eu quelques personnes de RDO, bien RHDP dans tes followers pour grossir ta page. Oh, tu joues les doubles jeux. Moi, j'ai dit, il n'y a pas Isaac là. Il y a un jeune qui s'appelle Kwasi Paul Ado. C'est celui-là qui donnait tous les détails en 2020, là. Celui qui donnait tous les détails de ce qui se passait, qui ruminait dans l'armée, tout ça, là. Et il n'y a pas Isaac là. Il prenait les informations sur le jeune homme, là. Pour venir dire, et puis tu as cru que oui, c'est vrai. Alors qu'on savait que la seule personne qui était concrète, qui disait la vérité, c'est pas parce que je vous ai dit toujours que c'est éclairé pour éviter que je vais dire non, ce qu'il dit c'est faux, c'est vrai. Le monsieur n'a jamais mis qu'on appelle ça, quand il y a des, quand, si jamais il y a des nouvelles, des résultats quelconques, éclairé n'a jamais mis ça sur sa page. Il attend toujours que ça soit frais, que ça soit frais avant de publier. Il a toujours fait ça éclairé pour éviter. Même il y a des chefs qui se sont passés où ce Giovanni là, qui est décédé là, il a failli dire à Éclairé, mais vous êtes tous aux États-Unis là-bas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vrai? Éclairé n'a jamais publié ça. Même les résultats des RHDP, Éclairé n'a jamais publié ça à l'avance. Il a toujours attendu. Donc pour vous dire, des gens qui sont là, oui, je sais ça, je sais ci, je sais ça là. C'est eux qui ont voulu qu'il y ait la guerre au Mali. Mais aujourd'hui, comme par hasard, c'est le contraire. Tout cela pour pouvoir pourrir la vie de la jeunesse en Côte d'Ivoire. La nouvelle génération des Soro, Blair, tout ça là. Vous-même, vous savez que c'est des gens là, ils n'ont pas étudié en Côte d'Ivoire. Et puis d'ailleurs, même la toi, Fagbe, ou bien, je ne sais pas quoi là. Vous dites que lui, autant que vous fouez là, il peut donner des bourses d'études. Eh oui, donner des bourses d'études. Eh bien, il y a combien qui sont retournés en Côte d'Ivoire pour rehausser le pays? Ils sont combien? Dites-nous. Pour ceux qui ont réussi le pays là, que le grand-père Oufa Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire, le vrai père de CIRDA, a donné un boost d'études là, puis ils sont venus étudier, puis ils sont retournés pour rehausser la Côte d'Ivoire. Ils sont combien? Dites-nous, ils sont combien? Dites-nous, ils sont combien? Vous n'allez jamais trouver. Ils sont tous calés ici, et en plus, ils traînent ici, ils font leur vie, ils font
n'importe quoi. Et maintenant, quand demain, ils n'ont pas réussi dans leur vie, c'est eux qui vont se critiquer. Et puis, remarquez ceux qui critiquent. Remarquez ceux qui critiquent. C'est des fauriens. C'est des gens sacrifiés. On les a sacrifiés. C'est pourquoi ils détestent ceux qui veulent réussir. Ceux qui sont en train de réussir. Toi, Blondie, là. Moi, j'ai dit votre groupe, là. De chanteurs de 70 ans, là. Même si vous faites déjà même là, vos enfants là, comme par hasard, on donne les prix d'excellence aux enfants de Côte d'Ivoire. Mais on ne voit jamais vos enfants. Alpha Blondie, mais ouais, qu'on soit, vos groupes là, la HA qu'on est là. On ne voit pas vos enfants avec les prix d'excellence. Qu'est-ce qui cloche? Vous êtes là, vous êtes derrière les Béninois, les Camerounais, les mecs là, qui foutent la merde en Côte d'Ivoire. Vous êtes derrière eux. Pendant que j'étais au plein, j'ai tous les enfants des gens, c'est ça? Parce que vos enfants sont dispersés dans le monde. Partout où vous les laissez là-bas. On n'a jamais entendu que vos enfants ont des prix d'excellence. Et donc vous voulez détruire la jeunesse. Moi, je vous dis, les gens qui ont gagné au RHDP là. En tout cas, travaillez, hein. Vous devez travailler. Allez-y dans les quartiers où vous avez gagné là. Dans les communes où vous avez gagné là. Courir les coins, les recoins. Oui, où les jeunes suivent là, suivez-moi là. Je vous ai dit, c'est bien parti. Il y a des gens qui ne peuvent même pas. Il y a des gens qui veulent aller faire des projets là-bas. Ils sont coincés. Parce qu'il y a des fumeurs un peu partout. On dit, c'est vous les policiers, les gendarmes là, qui êtes corrompus, qui fait que lui, les gens même, ils ne peuvent même pas passer là-bas, mais ils ne peuvent même pas rentrer là-bas. Il faut arrêter la preuve. Il faut arrêter ces malaises, ces djihadistes que je vous dis qui sont sur les réseaux sociaux, qui se jouent les opposants là. N'écoutez pas. Pas sur les de Paris. Je me rappelle en même 2020, là, vous disiez aux enfants des gens avec Conta, Léonore, la servante, là, de sortir pour aller tuer enfants des gens. Là. D'aller se sacrifier là. Que ton bébé, you, ta fille t'a envoyé d'aller payer ses crayons, ses règles. Ce n'est pas les règles qu'elle a chaque fin du mois. Là. Non, non, non. C'est-à-dire que c'est des effets d'études, d'école. Oui, oui, ton bébé, you, t'a envoyé pour aller payer ses livres scolaires. Tu étais fier. Mais quand tu envoies les enfants des gens en Côte d'Ivoire d'aller mourir là, ce n'est que tu pas d'argent. Tu dis Bitoba, il donne l'argent aux jeunes de Yopougon pour gagner. Mais toi, cela ne te donne rien. Toi, cela ne te donne rien. Votre groupe là, cela ne vous donne rien. Vous êtes là comme ça et puis vous venez parler avec le cœur comme nous autres là. Nous, on n'est pas payé. Et puis quand vous êtes là, quand les gens disent la vérité, vous êtes payé. Vous cachez vos visages, vous faites ceci. Vous, les brouteurs qui venez sur les directs des gens pour raconter n'importe quoi là. Les brouteurs là. Vous avez fini de brouter tout ce que les gens de FPI vous ont donné. Vous avez fini de les brouter. Et pas savoir le broutage là. Mentir, voler l'argent des soi-disant blancs qui se faisaient berner. Vous n'avez rien foutu, vos fils sont misérables en Côte d'Ivoire. Vous profitez de la situation pour raconter n'importe quoi. Tu sais que c'est le point que tu as pris là. C'est un défi. Il faut dépasser si c'est pas Congo. Tu as intérêt à dépasser si c'est pas Congo. Maman Kadia Kamara, il faut travailler. Faut travailler, il y a plein de jeunes à Bobo qui veulent travailler, je t'en supplie. Il faut faire ça, c'est vraiment une mère honnête là, il faut faire ça. Il ne suffit pas de donner l'argent aux jeunes demain pour venir fermer la bouche des gens. Les gens se sacrifient pour aller filmer des endroits. Vous dites que si c'est bon ou si c'est pas bon. Pardon, ne payez pas des jeunes pour venir mentir encore. Arrêtez ça. Sinon vous allez mal chiner, je sais pas, je vous dis ça. Il faut que vous travaillez. Le prêtre doit tout faire. Le petit garçon qui l'a embrassé, c'est pas un petit qui va prendre. Que ses parents vont dire, ah petit, il faut sortir, il faut aller marcher aussi. Tu vas prendre caillou pour lapider la première dame, Dominique Ouattara, ou bien tu vas aller lapider le président de la République. C'est quelqu'un là, son papa là, il travaille avec Patrick Hachi. C'est l'enfant là qui a eu excellence. Ah, pas blondie, ton enfant est où pour avoir excellence? Vous poussez les camis, c'est pas béninois là, à détruire l'Afrique, à détruire la Côte d'Ivoire. Mais vous êtes content d'aller vous arrêter à côté de ces personnages. Non, mais franchement, quoi. Mais ce que nous on fait là, c'est parce que moi j'ai dit toujours, hein, je suis venu ici là.
Mes propres parents, ils m'ont jeté dehors. Oui, les parents directs de ma mère, ils m'ont jeté dehors. Mais c'est les étrangers. Et puis les blancs, là. Quand vous passez votre matin, vous êtes insulté, là. Quand un Africain ou un noir insulte un blanc, là, je t'attaque. J'ai vos comédies, là, de merde, là. Arrêtez vos mensonges, là. Si les blancs, là, certains ne sont pas sacrifiés, on n'allait jamais être ici aussi. Il faut arrêter ça. Moi, quand je dis, ouais, que je suis Macron, c'est que. Tu as fait la séparation de là, je n'accuse pas le matin directement. Voilà un enfant qui travaille, qui a étudié. Il n'a pas lapidé Chirac, il n'a pas lapidé Mitterrand. Il a étudié. Aujourd'hui, il vient comme ça, un coup, il est devenu président. Vous avez mal. Des vieilles personnes comme ça, qui n'ont même pas honte, 50 ans, 55 ans, 60 ans. Vous n'avez pas honte. Vous savez que vous avez raté votre vie. Raison pour laquelle vous êtes là. Vous êtes insulté les gens qui veulent arranger les choses. Moi, je dis, Macron, tu laisses des plaisantins en France en train de détruire l'Afrique, surtout la Côte d'Ivoire. Mais on t'a donné une deuxième chance parce que les gens, soi-disant, Marine Le Pen, elle est mauvaise. Mais vous pensez que les gens qu'on dit sont mauvais, là, est-ce qu'en réalité, sont mauvais? C'est ça aussi, faut pas regarder toujours en train de juger les gens comme ça bêtement. Pas vous qui jugez, mais vous êtes filles. C'est ce que vous ne dites pas aux gens. Vous êtes filles. Il faut arrêter un peu. Donc les maires, les gouverneurs, les députés, les conseillers régionaux ou quoi là, travaillez. Travaillez. Travaillez parce que toujours quand ça... comme on dit, si vous avez pissé, si vous avez fait dialer quelque part, c'est le président. Mais bizarrement, vous n'attaquez jamais ces maires là. Vous n'attaquez jamais ces gouverneurs là. Vous n'attaquez jamais ces députés là. Pourquoi? Pourquoi? Dites pourquoi? Pourquoi? Il faut les attaquer aussi pour qu'ils puissent travailler. Les élections, Alpha Blondie, tu devais signaler hein, les villes et villages. Il ne faut pas rester à Abidjan, dans ton jardin, pour faire, oui, la paix, pour les élections, la paix. Mais voilà des enfants, des jeunes qui ne voient pas leur potentiel arriver. Un petit qui fait Stony, le bain de Stony. Lui, il va aller dans les petits coins comme ça, éloignés, pour aller faire des petits reportages avec son téléphone. Voilà, c'est à vous, vous avez les derniers cris de caméra, ou bien de quoi, de micro, pour chanter dedans, mais ça envoie les gens où. Il faut arrêter un peu. C'est vous là qui êtes décorés. Il faut arrêter. Les jeunes de Côte d'Ivoire, réveillez-vous. Vous pouvez faire vos petites vidéos pour critiquer, mais dans positivement. Vous pouvez critiquer, mais positivement. Réalisez vos rêves. Autant vous, le président Alassane Dramane Ouattara est blanc, là. Je vous dis, profitez. Parce que ceux qui sont en train d'annoncer la santé de maître, de prophétie de maître, là. C'est pour vous détruire, c'est pour dire aux opposants que lui, quand demain, là, Alassane ne sera pas là, là. Venez nous voir, on va vous dire de sacrifier telle ou personne, de sacrifier telle ou telle. C'est ceux, là. Les vrais tueurs, les vrais assassins là, c'est les soi-disant prophétesses de merde là. Qui c'est les prophétesses là? C'est eux qui vont aller vous sacrifier. Parce que les gens qui n'aiment pas, où ça sent bon là, ils écoutent ces merdeux de prophétesses ou bien de prophètes. Quoi là? Vous croyez que nous, quand on parle là, c'est pas prophétiser aussi? Quand les vrais prophétesses parlent là, c'est pas prophétiser? Quand même, blanc parle là, c'est pas prophétiser? Tous ceux qui passent sur la page, tous les directs, nous mettons la page des carrés prophétiques là. Vous pensez que ce n'est pas prophétisé? Il ne faut pas semblant. S'il y a des gens qui font semblant, c'est avec Dieu. Vous comprenez? Vous êtes là, vous êtes des rebelles contents. Et que vous détruisez les autres. Pourquoi? Pourquoi? Il faut arrêter maintenant. Je vous dis, il faut arrêter. La jeunesse, réveillez-vous. Vous pouvez faire des choses aussi au pays là-bas, vous ne savez pas? Réveillez-vous, ne laissez pas ces torpilleurs, ces manipulateurs-là profiter de votre jeunesse encore. Il faut arrêter de les écouter. C'est des menteurs tous. Si des gens aujourd'hui voient qu'ils ont leur poney dans tel coin, ils vont aller là-bas. Mais vous savez que quand c'est gâté là, tout le monde fuit. Donc évitez que ça se gâte. Donc dès maintenant, réveillez-vous. Il ne faut pas laisser les nini-nirons là. Ils vont venir vous faire du mal. Ne les laissez pas faire. Il faut arrêter. Et pareil, il faut continuer, mais j'arrête. Ça dépend de vous. Si vous avez d'autres choses à dire, vous pouvez continuer. Non, le ministre Nabalé n'a
maintenant le ministre. Pardon, il faut faire l'état sur que nous autres là, en tout cas qui voulons faire des projets en Afrique ou bien en Côte d'Ivoire, je t'en supplie. Il faut faire les choses moins avancées là-bas, je t'en supplie. Parce que vous cassez les points des gens, vous ne savez même pas quelles dépenses ils ont fait. Souvent, ce n'est pas bien. Il faut bien faire les recherches. Il faut bien rencontrer ces personnes-là. Ils vont vous. Si vous voulez même là, mener des enquêtes pour voir. Mais je vous en prie, il faut rendre la vie un peu facile aux Ivoiriens. Stop maintenant aux étrangers de mettre là. Il faut rendre la vie facile aux Ivoiriens. Il faut arrêter. Les Gabonais sont en train de se réveiller. Les coups d'état qu'ils ont fait là, c'est entre eux. Mais c'est les Gabonais d'abord. Alors, quand tu vas d'abord là, c'est quoi? Laissez les plaisanteurs qui sont en France, ou dans les pays européens, qui accompagnent les opposants pour détruire leur pays. Et puis, pendant ce temps, eux, ils veulent le bonheur de leurs proches, même de leurs enfants là. Ceux-là, c'est des merdiques. C'est des gens, les merdes. C'est des gens qui sont finis dans leur famille. Je pense que peut-être la poisse est dans leur famille, donc ils veulent rejeter ça sur les autres. C'est des fruits pourris. Donc, Nabane, pardon. Le ministre, pardonnez. Et puis, il faut arrêter de vendre les terrains à 50 millions, à 100 mètres carrés, à 200 mètres carrés, à 50 millions, à 100 millions. Pardonnez, arrêtez ça. Il faut que les Ivoiriens aussi, les frais, nous voulons la paix, que ça continue pour l'éternité là. Je vous en prie, faites que nous autres là, on essaye, en tout cas, les gens qui veulent vraiment réaliser en Côte d'Ivoire, qu'ils essayent d'obtenir un petit bout de terrain. Et faites les papiers aussi. Les gens sont en train de construire en désordre. En Côte d'Ivoire, les gens construisent en désordre. On ne trace pas des routes. On ne met pas même les canalisations, mais rien du tout. Et maintenant, demain, quand les gens seront assis dessus, on va venir dire non, ici, c'est un passage de canalisation, ici, c'est un passage de construction. Je vous en prie, ne laissez pas les gens faire n'importe quoi en gâtant vos noms. Je vous en prie, vous croyez que vous êtes avec des gens qui ont des idées. Mais ceux-mêmes qui ont des vraies idées là, moi je ne suis pas allé loin dans les études. Hein. Juste troisième, parce qu'ils ont voulu, ils voyaient un peu, je suis fier de tout ça. En tout cas, l'Espagne n'y est pas, mais moi, ils disent c'est niveau troisième. Mais les parents n'ont pas voulu que j'aille loin. Mais Dieu merci, depuis l'âge de 7-8 ans, auprès de vieilles personnes, j'avais déjà commencé à faire des petites nattes. J'avais déjà commencé à suivre les enfants des gens. J'avais déjà commencé à faire les petits commerces. Les histoires des Djoula, tout ça, je ne connaissais pas. Mais je faisais ça. C'est-à-dire que c'était un don que Dieu m'avait donné. Donc, je ne peux pas dire non. Si quelqu'un m'a aidé là, je vais cracher dessus. Comme les gens disent, oh, c'est mon cas où j'ai coupé. Ça, ce n'est pas bon. Donc, les gens aussi, ministère de la Santé, là, je vous en supplie. Ne prenez pas un jour pour dire ouais, que tel truc est gratuit que le président a mis en place. Les gens font des vidéos, et comme par hasard, ils n'envoient pas ça aux déclarants, mais ils n'envoient pas ça aux gens éclairés. Ils envoient ça aux opposants, aux soulets de merde là, pour vous enfoncer. Vous êtes pas tout bien. Même si Alpha Blondy, qui est le ministre Seba, il est en train d'avoir décoration aujourd'hui, mais ça veut dire que le monde, ce que vous êtes en train de faire là, vous allez payer cher. Vous allez payer cher, hein. C'est à cause qu'il y a des prophéties de merde. Parce que ce que vous faites là, vous voulez que ça arrive à tout prix. C'est pourquoi vous faites ça. Sinon, si vous ne voulez pas là, vous n'allez pas accepter ça. Vous ne pouvez pas accepter ça. Le petit Karim là, il a recadré un peu Alpha Blondy, mais le vrai, il a failli prendre prix et puis il a accroché à la première dame. Il est content, il sourit. Donc, pardonnez. Côté santé là, je vous en prie, les gens font des vidéos pour dire que les gens ne se font pas soigner. Les gens ne sont pas dans les bons lits. Les toilettes sont mauvaises, les toilettes sont sales. Alors qu'il y a des jeunes qui veulent travailler. Il faut les faire travailler. Il faut les faire les formations. Ne les laissez pas, ne les abandonnez pas comme ça. C'est pas bien. Il faut arrêter ça. Donc, vous là, il faut faire. Quand vous construisez toujours là, je dis quand vous construisez là, je vous en prie. L'argent qu'on vous a donné là, si c'est 5 millions là, si vous voulez là, pour faire 1 milliard, mais le reste, je vous en prie. Ne faites pas les écoles là. Je vous en supplie. Faites les immeubles. C'est des enfants, c'est des jeunes qui vont aller étudier là-bas. C'est des jeunes qui vont aller étudier, donc il peut avoir 3e étage, 4e étage même, parce que c'est des jeunes. Ce n'est pas des vieux qui vont aller étudier. Donc faites des écoles où les gens vont prendre les escaliers. Quand ils vont faire 2 fois, 3 fois là, ils vont prendre les études au sérieux aussi. Vous faites de la facilité dans les écoles, c'est sale. Regardez, mais quand il y a des élections de mairie et autres là, tu vas dans les classes
terre. Le plafond, là, ce n'est pas, pas à faire. Vous voyez tous les trucs de pétrier. Pardonnez, travaillez pour le plateau. Travaillez, si vous ne pouvez pas travailler pour vous, là, mais faites ça pour, vraiment pour faire plaisir aux gens. Les gens ont lutté pour aller vous voter. Vous croyez que vous allez finir maintenant, vous allez vous asseoir. Non, non, non. Hein. Allez-y, travaillez. La jeunesse, merci beaucoup pour ce que vous avez fait. J'en ai fini mon éclaireur prophétique, sinon je sais que vous avez déjà dit, il y aurait pas toute la journée là. Vraiment, chère mère, c'est nous qui vous disons merci. À partir d'aujourd'hui, sachez que vous êtes baptisée Maman Ouragan. Parce que sur la plateforme ici, en fonction de ce que chacun sait faire, et les élèves de la classe ont décidé, à travers les néadamans qu'on est, votre nom de code ici, c'est Maman Ouragan. Et donc, chaque fois que vous allez intervenir, ça sera Maman Ouragan. Si vous pouvez changer votre nom de profil, ça va beaucoup nous aider. Mais vous avez touché presque tous les sujets et vous avez presque tout dit. Vous êtes parti sur le fait que les élus là doivent se mettre au travail. Et il n'y a pas aujourd'hui une période qui soit plus avisée et plus juste pour le leur rappeler. Voyez-vous, il est toujours bon quand on se réfère à son chef. Tout le monde connaît le président Ouattara, même ses ennemis disent que c'est un grand travailleur. Tout le monde sait aujourd'hui que l'homme Ouattara a mis en face des Ivoiriens tous les modèles qu'il fallait. Mais est-ce que nous les Ivoiriens, nous sommes prêts à copier les modèles que le président nous a montrés? En ce moment, la balle n'est plus dans le camp du président Ouattara. Que ce soit en termes de comportement humain, il a montré qu'il est un dirigeant digne. Que ce soit dans la manière de gérer le pouvoir, aujourd'hui il fait une gestion et il fait de la transparence. Quand on prend de l'argent, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on n'a pas fait. Aujourd'hui, il n'y a aucun régime qui peut se comparer à celui du président Ouattara pour dire voilà l'argent aujourd'hui qui a été pris. On voit tout, mais on ne voit pas de détournement parce que les grands travaux occupent l'argent du peuple. C'est de cela qu'il est question. On a aussi des exemples, comme si c'est Bakongo qui a travaillé dans une commune d'Abidjan et qui a aussi rénové une partie du siège. Oui, si c'est Bakongo a rénové carrément une partie du siège du RHDP. Nous, on a dit, quand tu fais du bien, on va dire, tu fais du mal aussi, on va dire. Si c'est Bakongo a rénové totalement une partie du siège du RHDP. Pour tous ceux qui ont fait plus d'un an sans voir le siège du RHDP, si vous avez l'occasion de voir, la rue Le Puc est devenue vaste et carrément une partie du siège est complètement rénovée de plus belle manière. Nous lui disons merci. Et donc, c'est possible. Or, donc, l'école Alassane Ouattara est en train de prendre de la graine et les gens sont en train de comprendre. Chère mère, vous n'avez que bien dit ce que vous avez dit. Voyez-vous, c'est comme ça lorsque les pharisiens et les philistins sont venus demander au Christ, dans Matthieu 22-28, juste pour le tenter, ils disent, voilà une femme qui s'est mariée à 7 frères et voilà, ils sont tous morts, mais le jour de la résurrection va appartenir à qui? Je retourne cette même logique et cette même question des pharisiens aux Ivoiriens. On est là, on est en train de crier, on est en train de dire tout ce qu'on veut dire, mais à qui va appartenir le bonheur de la Côte d'Ivoire véritablement? Le bonheur de la Côte d'Ivoire, comme l'a dit le Christ, n'appartiendra pas à celui qui est dans le corps physique ou celui qui a un sexe, mais ça appartiendra à celui qui aura compris la voie du développement. Et par rapport à ce que la Bible disait, le Christ leur a dit non, le jour de la résurrection, il n'y a ni homme ni femme. Ça, c'est l'aspect religieux des choses, mais nous sommes en politique, je n'ai fait que de l'extrapolation. Comme pour dire qu'en vérité, que vous soyez opposant ou même que vous soyez du RHDP, si vous n'avez pas pris cette aptitude à vous mettre au travail, sachez que vous aurez raté tout, et je dis bien tout. C'est pourquoi vous voyez déjà certaines personnes, comme vous avez dit, les Alpha Blondie et autres, c'est totalement normal qu'ils ne puissent pas avoir des prix d'excellence, encore moins leurs descendants. Parce que tu ne peux pas être en train de maudire les enfants des autres. Parce que la malédiction, ce n'est pas seulement dire tu seras, non, non, non. C'est être là en train de mentir aux gens, en train de mettre les gens sur le chemin du mal, en pensant que tu vas retirer les bénéfices. Mais sache que tout ce que tu vas retirer, ça va se transformer en malheur. Et ça va, comme dit la Bible, ça va détruire ta postérité jusqu'à la septième génération. C'est pourquoi, chère mère, ne soyez pas surpris
Nous, les hommes, nous pensons que nous sommes intelligents et même souvent plus intelligents que Dieu. Mais les Ivoiriens le disent, Dieu n'est pas gaou. On peut tromper les gens. On peut tromper tout le monde pendant un temps, mais on ne peut jamais tromper Dieu. Le président Ouattara aura été un dirigeant plus que sincère. Je le dis plus que sincère avec nous. Mais c'est à nous, les Ivoiriens, de nous demander, est-ce que nous avons été sincères avec lui? Mais la balle est toujours dans notre camp. À la question de savoir... Notre jeunesse, vous en avez parlé. Nous disons aujourd'hui aux autorités, que ce soit les tramadol, que ce soit les amphétamines, que ce soit les boissons fortes qui sont vendues aujourd'hui, nous demandons à nos autorités de prendre toutes les dispositions pour essayer de mettre fin à cette destruction de notre jeunesse. On a parlé de l'année de la jeunesse, mais de quelle jeunesse parle-t-on? Parle-t-on de la jeunesse qui consomme à satiété, de façon abondante et sans limite? Les boissons alcoolisées, la drogue, les amphétamines, les stupéfiants, les narcotiques. Si c'est cette jeunesse-là, en ce moment donc, nous n'avons pas de jeunesse. Et donc, l'année de la jeunesse devient donc une vue d'esprit du flactu vocis. La jeunesse que nous voulons, c'est celle qui se met au travail. La jeunesse que nous voulons, c'est celle qui maintient sa santé. La jeunesse que nous voulons, c'est celle-là qui dit, qu'est-ce qui est bien pour moi demain? C'est cette jeunesse-là que nous voulons. Et c'est cette jeunesse-là qui a été célébrée quand on a vu des enfants. Parce qu'en vérité, les gens peuvent parler, mais le président Ouattara n'a plus rien à prouver. Il n'y a pas à aller reprendre, parce que vous voyez, quand on parle, c'est beaucoup facile. Aller reprendre les annales de la Côte d'Ivoire et regarder celui qui a donné, parce qu'une bourse, ça peut se donner, mais le suivi, c'est de cela qu'il est véritablement question. Il n'y a pas quelqu'un, même Oufouet, même, il n'y a pas quelqu'un qui a donné autant de bourses que le président Ouattara et qui a fait du suivi des individus qui ont eu ces bourses-là, il n'y a pas quelqu'un qui a fait ça autant que le président Ouattara. Tout ce que nous disons là, on peut mentir, on peut être des partisans, on peut être dans nos émotions, mais les faits sont là. Allez les prendre et venez dire c'est faux. C'est de ça qu'il est question. Voilà, tu as dit ça, nous on est allé, on a comparé, tu mens. C'est de ça qu'il est question. Si aujourd'hui on vous dit, il y a certains secteurs stratégiques de l'aéronautique et même de certaines sciences. Aujourd'hui, le président Ouattara a pu placer des jeunes gens ivoiriens qui, ma foi, pourraient faire la fierté de l'homme africain un jour. C'est de cela qu'il est question. Quand on parle du président Ouattara, on ne parle pas seulement d'un président d'un pays sous-développé dans l'ouest de l'Afrique. On parle d'abord d'une personne qui compte parmi les dirigeants de ce monde. Ouattara n'est pas un ovni. Ce n'est pas quelqu'un qui est là pour exister. Ce n'est pas un existant, comme on le dit en philosophie. C'est quelqu'un qui est réel et qui est dans le réel. C'est-à-dire que partout où il se met là, lui compte. Même son silence là, ça compte. Quand il parle aussi, ça compte. Donc tout en lui a de la valeur. C'est de cet homme-là que nous parlons. Et il se retrouve dans un petit pays, dans le golfe de Guinée qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Et les gens pensent que ce monsieur-là peut être juste un président d'un petit pays. Non, c'est un homme de vision. C'est un homme d'État. C'est un homme qui sait où il va. Et c'est ce que les Ivoiriens doivent retenir. Et tous ceux qui veulent être des dirigeants de la Côte d'Ivoire de demain, on ne vous demandera pas d'arriver à ce niveau-là. On ne vous demandera pas l'impossible. Mais ce qu'on vous demande, c'est d'incarner au moins quelques valeurs du président Ouattara. Parce que ça sera pour vous-même vous sauver d'abord. Parce que l'héritage que le président Ouattara va laisser, ça sera un héritage qui est assez lourd. L'héritage que le président Ouattara va laisser, ça sera une référence pour les générations à venir. Ah, Éclaireur est venu, il parlait beaucoup, mais regardez, quand il est venu, il n'a même pas pu faire un goudron. Aujourd'hui, c'est devenu la norme. Et donc, ne soyez plus surpris, c'est de cela qu'il est question. L'homme Ouattara a réussi sa mission en tant que président, il a réussi en tant qu'homme et il a réussi en tant que leader. Et donc, que lui reprocherions-nous? C'est donc à nous-mêmes de nous revoir. Est-ce que le peuple ivoirien est un peuple qui veut copier un modèle? Regardez l'homme Ouattara. Il a développé des pays, nous disait-on. On pouvait même en douter. Mais quand il est venu là, ce qu'on appelle développer un pays là, il n'y a pas un Ivoirien aujourd'hui qui peut dire que lui n'a pas vu ce qu'on appelle développer un pays. Quand on dit que quelqu'un peut développer, transformer un pays là, Ouattara fait ça, nous tous on est vivants, on voit ça aujourd'hui. On dit qu'il avait fait ça en Chine, il avait fait ça au Bangladesh, il avait fait ça au Pakistan. Non, on n'était pas là-bas. Mais ce que nous, on a vu là, c'est ça qui est la vérité. Donc, c'est possible, un homme peut transformer le monde. Un homme peut transformer les mentalités. Un homme peut transformer même l'avenir d'un peuple. Et c'est ça qui compte.
dans l'existence même d'une personne. Et ça, personne ne pourra arracher ce mérite au président Ouattara. Qui que nous fussions ou qui que nous serions, le président Ouattara a déjà réussi partout et il n'a pas du tout quoi que ce soit à se reprocher. Mais c'est à nous autres Ivoiriens de nous demander qu'est-ce qu'on retient de l'homme Ouattara pour être mieux que lui ou bien même pour être un peu auprès de sa cheville. Le génie, c'est trop. C'est ça, c'est ce défi-là qui est lancé à nous les Ivoiriens. Et donc, surtout aux jeunes générations. Nous là, peut-être dans 50 ans ou même moins que ça, nous on sera déjà passé. Mais vous là, vous serez les adultes de demain. Vous pensez que c'est en suivant des gens qui vous font rire et qui vous font dans la distraction. On a fait ça pendant une Côte d'Ivoire pendant plus de 20 ans. De 1990 jusqu'en 2011. Laurent Gbagbo, quand il était opposant, il a fait rire les Ivoiriens. Laurent Gbagbo, quand il était président pendant 10 ans, il a fait rire les Ivoiriens. Les conséquences, ça nous a ramené à plus de 40 ans en arrière. Si c'est cela que vous voulez, ça sera votre monde demain. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais est-ce que des hommes et des femmes n'ont pas eu le courage et la vérité de vous le dire? Ça a été fait. Vous avez aussi insisté sur les différents ministères clés. Comment se fait-il que les Ivoiriens, aujourd'hui, avec cette embellie économique, n'arrivent pas à se loger? Monsieur Bruno Koné, nous pensons bien que vous pourriez reprendre du poil de la bête pour essayer d'avoir des projets qui vont être viables et concrets pour rendre les Ivoiriens heureux et pour marquer votre passage. Aujourd'hui, vous avez vu le défi qui était dans votre région et vous avez vu la solidarité du RHDP derrière vous. Mais est-ce que vous allez être capable de retourner l'ascenseur aux Ivoiriens en général? On ne demande pas cela pour que les militants du RHDP, mais pour les Ivoiriens en général. Tout le monde peut travailler parce que les moyens de l'État ne sont pas ce qui manque. Tout le monde peut se mettre à l'œuvre. Mettez-vous à l'œuvre. Tous ceux qui sont des ministres, tous ceux qui sont des élus du RHDP, faites en sorte qu'on dise « Je ne suis pas le maire par qui le manque de travail va porter un discrédit au président Ouattara. » Si toi tu es un député, fais en sorte que tu ne sois pas le député par qui on dira que des mauvaises lois ou que rien n'a été fait et que tu es encore RHDP. Et si tu es un conseil régional, fais en sorte que ta région soit une fierté pour que tu dises « Le modèle que j'ai appris avec Alassane Ouattara, c'est ce que je suis venu copier. » Alassane Ouattara m'a envoyé là. Mais il t'a envoyé avec quoi? C'est avec le développement, c'est avec le sérieux, c'est avec la probité morale. C'est possible. Et c'est seulement une question de volonté. On doit s'y mettre et on réussira. Il y a aussi, lorsque vous parliez, Maman Ouragan, Berthe Lachina qui a posé une question. Je voudrais savoir la victoire du RHDP, aussi celle du FPI d'Afinguesan, après sa défaite cuisante dans le Moroni, dans le Moronou, au vu de l'alliance RHDP-FPI. Et là, la question, elle est très importante et même je vais aller au-delà. Cette question est importante. Parce qu'on a tous vu et on connaît aujourd'hui tous les résultats. Mais à l'analyse des faits, la défaite d'Afinguesan est une très bonne chose, est une très bonne nouvelle pour le RHDP. Écoutez-moi très bien, sinon il sera difficile que vous compreniez ma logique. La défaite d'Afinguesan est une très bonne chose. Pourquoi c'est une très bonne chose? Voyez-vous, Afinguesan, tôt ou tard, il aurait fallu qu'on évalue son véritable poids. Or, Afinguesan, naturellement, n'est pas un homme qui s'assume. Même où on est aujourd'hui là, 7 septembre 2029, 23 là, même si Gbagbo dit, Afi vient là, Afi va courir pour aller. Afi n'a jamais été, il y a des gens comme ça, qui ne peuvent pas s'assumer, qui ne sont pas des hommes qui peuvent s'assumer en fonction des événements. Sinon là, le FPI là, enveloppe et puis contenu d'enveloppe là, on avait donné ça à Afi, mais Afi est resté en train de tourner pour chercher à plaire. Ce sont les hommes faibles qui cherchent à plaire. Et donc, c'est in extremis que le RHDP va le sauver. Aujourd'hui, ces élections ont été une bénédiction pour le RHDP parce que Afi ne pèse rien. Afi n'est aujourd'hui que député. Or, un député, à part son petit salaire de 2 ou 3 millions, ça ne vaut rien. Un député, il peut avoir peut-être de l'influence politique, mais il ne peut pas avoir cette influence économique de transformer la vie de ses concitoyens comme un maire. Qui est un agent de développement, le maire. Le maire fait partie des agents de développement. Or, un député, c'est un agent qui doit être là pour voter les lois. C'est ça le premier rôle d'un député. Or, aujourd'hui, on connaît plus ou moins la configuration de nos députés. Donc, Afi ne sera pas différent de nos députés en général. Or, quand on prend Afi, simple député,
tout comme tout autre député en Côte d'Ivoire, son impact sera très faible. Et donc aujourd'hui, Afi est plus que condamné à faire schéma avec le RHDP. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on le tient par le bout du nez. On le tient par le bout du nez et Afi est aujourd'hui obligé de faire chemin avec nous. Mais maintenant, c'est nous qui allons lui dicter maintenant la conduite à tenir. Nous sommes en politique, nous sommes en stratégie. Il y a certaines choses, on préfère le dire. Aujourd'hui, même si Afi dit qu'il n'est plus dans l'alliance, là, il pèse quoi? Il vaut quoi? Il va aller où? Voilà cette question-là. S'il va du côté des Gore, il va avoir cette grosse étiquette-là de lâche et de traître. Et il va payer le prix. Il ne peut plus faire cavalier seul. Et aussi, ses amis de la gauche aussi n'en voudront plus. Et donc, Afi est aujourd'hui condamné à exister. Et c'est le RHDP qui va donner une certaine existence à Afi Nguessan. Et ça, c'est une bénédiction parce que ça va réduire aussi ses capacités de nuisance dans le même temps. Ça, c'était peut-être l'analyse que je pouvais donner sur cet aspect. Et après, il y a Ben Koné qui posait la question de savoir, pouvez-vous nous donner des détails de la perquisition de la mairie de Cocody? Et donc, quand il s'agit de cette question, en réalité, quelques jours après les élections, nous avons vu des gendarmes débarquent à la mairie de Cocody pour récupérer certains ordinateurs et des documents. Mais est-ce que nous sommes dans une république? Oui, nous sommes dans une république. Et il y a une procédure en toute chose. Oui. Quand un citoyen va dénoncer un méfait, est-ce que l'État peut rester silencieux parce que la personne s'appelle Yassé ou bien parce que la personne est maire? Il faut lui faire des exceptions. L'État de la Côte d'Ivoire, à travers ses structures, et donc la gendarmerie, se sont déportés pour vérifier et prendre attache avec ce qui leur avait été dit. Comme vous l'avez dit, chère mère, nous n'allons pas être dans les spéculations ou encore dans des inventions. Un fait est sûr. La personne qui a dénoncé Yassé pour cause de tricherie s'appelle Yasmina Onya. Voilà deux personnes du même parti. Yasmina va en indépendant. Elle assume toutes les conséquences qui vont avec. Et donc, n'étant pas contente de sa défaite, elle explique donc certaines stratégies, notamment des bulletins que ces gens-là ont et d'autres stratégies que nous ne maîtrisons pas encore totalement qui arrivent à leur faire gagner des élections à chaque fois. Mais c'est une bénédiction pour nous, les gens du RHDP. Ce n'est pas le chef du protocole du président de la République, il n'a absolument rien à voir là-dedans. Parce que hier matin, quand cette histoire a commencé, j'ai appelé un des dirigeants du pays. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et dites-nous ce qu'il en est. Il dit, nous n'avons rien à voir là-dedans. Voilà. Donc, quand je parle, je ne parle pas parce que je sais où j'étais là-bas. Mais c'est ce qui m'a été dit. Et jusque-là, on n'a pas entendu Eric Taba dire quoi que ce soit dans l'affaire. Mais bizarrement, les gens veulent essayer de cacher leur forfaiture en disant non, c'est le RHDP qui est en train de créer des problèmes. Non, Yasmina est suffisamment, elle a la tête suffisamment haute pour ne pas être manipulée. Elle est en train, mais à travers cette posture-là, on arrive à voir quelque chose qui est très intéressant. C'est vrai, le PDCI a toujours gagné Cocody, le plateau et autres. Mais est-ce que ça ne doit pas nous permettre de nous poser certaines questions? Et si donc le PDCI avait des stratégies infaillibles de fraude, je crois que cette enquête doit aller très loin et elle doit être publique pour que les Ivoiriens comprennent pour une fois, puisque Yasmina Onye a posé plainte pour cause de fraude et elle n'a pas accusé le candidat du RHDP. Et donc, ça veut dire que les deux, parce qu'ils ne se sont plus entendus à travers leurs collaborateurs, ils ont donc, comme on le dit chez nous, mis le cul de l'individu dehors. Et donc, le RHDP doit se poser les bonnes questions. Et si ces enquêtes-là allaient loin et qu'on découvrait, c'est que le PDCI veut qu'on ne découvre pas toujours leur stratégie bien huilée de fraude électorale. Et ça, si cette occasion-là nous permet de bien comprendre ça, je crois qu'à l'avenir, les compétitions seront beaucoup plus saines et beaucoup plus claires et les Ivoiriens seront beaucoup plus sereins. Et donc, c'est là que j'allais m'arrêter.
Non, je peux raccrocher Oui, mon éclaireur. effectivement. J'allais vous dire merci et vous souhaiter vraiment tout le bonheur, ainsi qu'à vous-même et à toute la famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. OK. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons continuer avec encore les personnes qui sont là et on va pouvoir donc finaliser sans abuser du temps des uns et des autres. Allô? Bonsoir, chère mère. Bonsoir, éclaireur. Et Bonsoir à vous. comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Pareillement pour vous aussi, j'espère. Grâce à Dieu, tout va pour le mieux. Ah, je dis bonsoir à toute la classe et à tous nos auditeurs. Je vous dis merci. Voilà, beaucoup de choses sont passées depuis. Voilà. En tout cas, merci infiniment à tous et vous-même en particulier pour toute cette réussite. Et puis, je dis aussi bonsoir au passage à notre. Intervenants qui est passé, ceux qui sont passés après. En tout cas, je vous ai pris en chemin, donc voilà, j'embrasse tout le monde. Éclaireur, j'ai envie de parler aujourd'hui parce que je suis dégoûtée quand même des attitudes de ce qu'on a de nos cadres. Je suis tombée sur la vidéo, enfin une vidéo du ministre, je crois, Moussa Sanogo, oui, qui faisait comme ça des déclarations vraiment qui sont honteuses, quoi. J'ai écouté vraiment et il s'agissait de. Enfin, il s'agit là de Ouaninou, je pense, voilà. Donc, monsieur Noubousa Sanogo, vraiment, l'écoutant, j'ai eu honte éclaireur. Ce monsieur qui se dit de haut rang, parce que c'est ce qu'il affirme lui-même, venir s'étaler comme ça sur la place publique. Et puis à parler en parabole de d'autres cadres, je trouve quand même que c'est un peu enfantin en fait. Et ce monsieur, moi, pour ce que j'ai compris dans sa façon de faire, c'est de la manipulation et c'est ce qui me dérange, c'est ce qui fait que vraiment je suis en enfin, je suis dégoûtée. C'est de la manipulation qu'il fait, c'est-à-dire monter des populations contre d'autres. Parce que sinon, ce qu'il a fait, ça va, il n'y a pas besoin de le faire, c'est inutile quoi. C'est le moi-même, en fait, c'est ridicule à la fois. Donc, qu'un monsieur de son rang vienne se poser comme ça devant les gens pour raconter des choses comme quoi, ouais, d'abord, lui, il est ex-secrétaire national chargé des élections, il est ministre, il est membre du directoire, patati patata, comme ci, ainsi, comme ça fait trop quand même. Moi, je crois que c'est son incompétence que ce monsieur est en train de camoufler comme ça en faisant tout ce qu'il fait. Et mais seulement, je dénonce ça parce que c'est des choses qui vont nous conduire encore à des choses inutiles. Aujourd'hui, nous, on aspire vraiment à du palpable, quoi. On n'a pas envie d'entendre de ces ministres, de ces cadres-là qui vont venir nous encore ramener, enfin, faire, en fait, nous brandir leur personne, nous parler de leur personnalité qui nous emmène à faire le culte de leur personnalité. Vraiment, ça me dégoûte. Aujourd'hui, nous aspirons vraiment à du palpable. Nous voulons des travailleurs, nous avons fini avec ces gens-là qui sont sans compétences, pardon, et qui viennent nous bourrer les oreilles, nous diviser les populations, nous créer des situations vraiment inutiles. Et ça me fait honte, j'en ai très honte. Ces déclarations sont honteuses. C'est pas possible vraiment d'entendre un ministre s'exprimer comme ça. Et le bon n'a rien de quelque chose. Le bon n'a rien de maire perdant, du candidat perdant qu'il essayait de défendre. Lui aussi, il est bêtement assis là, à attendre à recevoir, pardon, la pitié ou alors la compassion des uns et des autres. Vous faites honte avec tous ces comportements-là. Franchement, ce n'est pas ce qu'il nous faut aujourd'hui. On vous veut sur le terrain pour du travail. Et c'est là qu'on vous attend. Pas à mettre les uns, les unes pour des populations contre les autres. Non, arrêtez, c'est dégoûtant.
C'est confiant à la fin, franchement. On n'a pas besoin de ça. Et c'est même Moussa Sanogo, c'est lui-même, de par son incompétence, à l'époque, qui a fait foirer aussi le projet de logement du président, je suppose. À l'époque, dont même maire, notre maire blanc en a été, je crois, victime aussi. On a créé ce fait-là sur cette plateforme pendant longtemps jusqu'à ce que, bon, voilà, ce qui s'en est suivi. Mais franchement, je fais un coup de gueule contre ce ministre qui, s'il est incompétent, qui dégage en fait, qui dégage et que nous, voilà, qui nous permet d'avancer, quoi. On n'a plus à être dans ces conneries, dans ces choses, comportements de... Enfin, des comportements, j'allais même dire, lamentables. Parce que vraiment, quand un ministre, quand une personne se rend d'après lui-même, se met à raconter des choses comme ça, en parler en parabole de d'autres cadres, franchement, c'est rabaissant et ça fait honte. Je suis désolée de me prononcer là-dessus, mais franchement, j'en ai eu honte. Et voilà, je ne vais pas aller plus loin que ça et simplement lui dire d'arrêter de trop faire dans l'enfantillage, quoi. Franchement, on a besoin de mieux que ça. Et Claire, merci beaucoup. Ok. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci pour cette sortie. Et effectivement, il faut le dire, parler est une chose facile. Mais lorsqu'on parle, comme disait le Christ, malheur à celui qui lancera la première pierre. Celui-même qui parle là, est-ce que lui n'a jamais parrainé d'autres candidats indépendants? Parce qu'il est facile de vouloir jouer la victime ou d'accuser. Mais soi-même, quand on a fait ces mêmes méfaits et qu'aujourd'hui ça ne nous arrange pas, on se met à la place des victimes. Je crois que ce n'est pas fait pour nous rendre grands. Et l'homme, à défaut de pouvoir être ce qui sortira de nos bouches, si ça ne peut pas être utile, souvent le silence est vraiment très préférable. Il ne faudrait pas que ces années-là oublient cela. Et une chose aussi qui est évidente aussi, vous l'avez déjà signalé, hein, il était dans le gouvernement, les projets des logements sociaux. Qui a fait foirer ces projets-là? C'est lui, Sanogo Moussa. Et donc, il ne faudrait pas qu'il sorte pour venir essayer de distraire la galerie. Et je crois que même ces élections-ci, il y a beaucoup de cadres du RHDP qui ont financé des candidats indépendants. Moi, je vous l'ai dit et je ne vous ai pas caché. Moi, j'ai transmis la liste au chef de l'État. Oui. Donc, vous êtes connus. Et donc, ne vous trompez même pas. Et donc, les candidats indépendants que vous voyez là, ils vont revenir, ils ont tous des parrains qui sont des cadres du RHDP. Et donc, soyons un peu sérieux et essayons de faire franc jeu avec les militants et avec le président de la République. En même temps que c'est eux qui disent, on va prendre bois pour frapper les militants indélicats, on va prendre gourdin pour casser leur tête, et même ils financent. Et après, ils viennent s'arrêter à côté du président pour dire, ah, vous avez entendu, oh, c'est maintenant le président. Et puis nous, on a dit, oh, le président vous a menacé. Oh. À un certain moment, là, un parti qui se veut sérieux, ses dirigeants, le sérieux doit commencer d'abord par ceux qui animent avant d'en arriver aux militants. Le chef de l'État est sérieux dans tout ce qu'il fait. Les militants sont sérieux. Mais les vrais problèmes qui minent le RHDP, la majorité, ce sont les cadres. Et ça, on va vous le dire. Les campagnes sont terminées. Nous, on revient à nos anciens amours. On va vous critiquer pour vous dire vos vrais noms. Ceux qui veulent changer vont changer. Ceux qui ne veulent pas changer, sachez qu'on va être assis sur vos dos et puis on va faire rodéo. On va aller jusqu'au bout. Vous n'allez pas salir l'homme Ouattara ou bien le vilipender. Ah non, tout est beau. Et puis le blaguer et puis le mettre devant les faits accomplis. Nous, on ne va jamais être des traîtres pour dire au président Ouattara que quelque chose qui n'est pas vrai là, c'est la vérité. On va dire, quand c'est faux, là, on va dire c'est faux. Quand c'est vrai, on va dire c'est vrai. Les cadres du RHDP au travers de ces élections-là, vous mériteriez à être des hommes honnêtes dans votre ensemble. Les candidats indépendants, si beaucoup ont eu cœur là, c'est ceux-mêmes qui critiquaient là, c'est eux-mêmes aussi qui les ont financés. Si vous voulez maintenant qu'on donne vos noms, si vous êtes suffisamment courageux, dites de donner vos noms avec ce que vous avez financé. On va vous citer ça maintenant et on va voir où ça va vous conduire. Et donc, on ne peut pas être dans un parti où on est en train de faire du perpétuel recommencement ou en train de refaire les mêmes choses. On a besoin aujourd'hui de stratégie, de réflexion propre. On a besoin aujourd'hui de créer une cellule de réflexion pour demander, mais pourquoi certaines choses n'ont pas marché?
Et qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer ces points-là? Parce qu'un parti qui se veut parti leader et parti d'avenir pour mettre tous les Ivoiriens, ça doit être un parti qui soit constamment dans l'autocritique pour pouvoir progresser. Et on ne peut pas le faire avec des gens qui enterrent et qui déterrent en même temps les morts. À un certain moment, ces petits jeux sales et nauséabonds, vous pouvez les garder pour vous. Ce n'est pas ce qui intéresse le peuple, que vous soyez élu ou pas, ou même que vous avez financé des candidats. Aujourd'hui, quelle est la portée et l'utilité de ces questions-là sur le peuple que nous sommes? Cette question que le monsieur a soulevée, Sanogo a soulevée là, ça, en quoi est-ce que c'est utile à la vie d'un citoyen lambda? Aujourd'hui, nous disons ceux qui ont été élus, mettez-vous au travail. Et qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ces indépendants-là de façon véritable? Vous devez vous poser les vraies questions et mettre fin véritablement à cela et trouver un mode opératoire de désignation des candidats, un mode unique ou vraiment infaillible pour que ça, on en finisse définitivement. Et donc, cher maître, c'est ce que j'allais ajouter. Merci, éclaireur. En effet, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse avec ça, vraiment? Qu'est-ce qu'on a à faire avec tout ce qu'il fait? Franchement, ça n'a pas de sens. Éclaireur, vous aviez, comment dire ça, j'ai retenu dans dans l'un de vos développements que Stéphane Guipré, dans la région du Sassandra, aurait félicité Mamadou Touré pour son élection, sa brillante élection. Et du coup, il a fait ça parce que il s'est senti la vie menacée. J'ai dit, ah bon? Vous savez, je voulais juste dire que ça m'a fait plaisir d'entendre ça. Ah, lui, il craint pour sa vie. Non, c'est pas possible. C'est pas lui, Stéphane, qui craint. Donc, ils étaient prêts à faire tuer les enfants des autres, alors que pendant qu'eux, ils ont peur, ils craignent pour leur vie. C'est quand même un peu choquant. Permettez-moi de dire, de saluer tout le monde. Je vais commencer par vous-même, le B52. Non, on va commencer par les femmes. Mère Blanc, Nefertiti, Mère Siona, Mère Adjara Koulibaly, Aline Bakayoko, toutes ces mamans, je vous embrasse. Mininian Sissé, je crois, Nina Kouadio, je vous salue, je vous embrasse. Et puis, je n'ai pas oublié, enfin, si j'en oublie, excusez-moi, je ne connais pas tous les noms. Mais sinon, je vais en profiter pour dire aussi merci à tous ces intervenants qui brillent, qui apportent de brillantes interventions à cette émission. Des choses qui, vous ne savez pas, sont degré d'éducation que ça nous apporte, que ça nous donne. Franchement, j'en suis émerveillée. Émerveillée tellement qu'il fallait quand même que je fasse un peu, que je rende hommage à toutes ces personnes. Et le B52, encore, à 200%. Potamoi du Nil et notre roi des Sénoufos, le roi du printemps, mon Dieu, vraiment. En tout cas, je vous salue tous, je vous embrasse tous et je vous dis merci, merci pour tout ce que vous nous apportez. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Dieu vous bénisse. Éclaireur, merci, c'est sur ça que je vais m'arrêter ce soir. Et puis voilà, je reste à l'écoute. Merci infiniment, cher maire. Bonsoir au B50, pardon, à, comment dire, au cyclone, qui me pardonne de l'avoir cité aussi à la fin, mais de toute façon, on est frères. Merci beaucoup, éclaireur. Merci beaucoup, cher maire. Et aussi, on salue aussi la mère Ouragan, la maman Ouragan aussi, qui est passée avant vous. Et vraiment. Oui. Et sans oublier vous-même aussi. Voilà. Merci. C'est vraiment merci très important. Merci. La mère Nefertiti, Binette Sidibé, Sali Kone, oui. Massaran Ganon. En fait, toutes les mères, les Mao sur la plateforme, vous faites déjà plus qu'énormément. Merci à vous et merci infiniment à vous. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Toujours merci à vous. Merci beaucoup. Je vous rends le micro. Merci beaucoup, chère mère. Et vous passez une excellente soirée. Je ne manquerai pas. Merci beaucoup. Et donc, avant de passer à la mère Sali Kone, il y a un de nos frères qui pose une question de savoir la situation au plateau.
Et vous me permettrez de voir la question? Éclaireur, c'est Ladji Lamétous qui posait la question. S'il te plaît, y a-t-il des soupçons de fraude au plateau? Oui, effectivement, il y a eu des soupçons de fraude au plateau et c'était tellement bien avéré. Voici ce qui s'est passé au plateau. Le jour des votes, on change des centres. Et les gens vont, on leur dit non, ce n'est pas ici que tu dois voter. Mais l'une des stratégies qui a été en faveur du candidat du PDCI, c'est que dans cette, dans ce mélange-là, il avait posté des gens pour essayer de tromper les militants du RHDP en leur disant, comme des personnes en train de montrer, d'aider les gens à aller voter dans les lieux parce qu'il y a eu changement de certains bureaux. Et comme ça, ils ont trompé beaucoup de nos militants. Et c'est l'une des raisons. Il y a d'autres raisons encore qui existent. Et je crois que il y avait 5 jours, 5 jours pour pouvoir poser réclamation à partir de la CEI, réclamation qui serait transmise au Conseil d'État et après observation, le Conseil d'État va statuer et donner des résultats. Et donc, je ne sais pas si pour l'instant les candidats au plateau ont fait la requête ou s'ils ne l'ont pas fait. Là, je ne sais pas. Mais une chose est évidente quand même, ce n'était pas une victoire propre. Et c'est pourquoi vous aviez vu pour une si petite commune, le verdict a attendu pendant très longtemps. Et donc malheureusement, c'est quelques raisons que nous donnons. Mais peut-être qu'il y en a d'autres que nous ne savons pas pour l'instant. Si les candidats ont pu faire réclamation et ont déposé des dossiers qui sont valides, je ne crois pas que ça ne puisse pas aboutir. Si ce n'est pas valide aussi, ça sera forcément dérouté. Mais on attend de voir ce qui s'est passé. On va donc continuer avec notre mère Sally Koné, qui avait bel et bien demandé la parole. On va lui accorder la parole maintenant. Allô? Vous m'entendez? Oui, bonjour, chère mère, comment allez-vous? Bonjour, cher Oui. éclaireur. Bonjour pour tout ce que, merci pour tout ce que tu fais. Bonjour, bonjour à tous les Chao et à Oui. tous les Mao. La mère Hakim, bonne arrivée. Ça faisait 2 jours, je n'attendais pas ta voix. Et aussi, je dis bonjour à Abou Parker qui dit qu'on ne cite pas son nom. Voilà, merci pour tous les commentaires que tu fais. Ok, donc je vais réciter son nom, le grand maître Abou Parker Bis. Vous avez tous nos respects. Il a fait la sixième 6 fois à l'EPP et PV Pro Vérité. Tellement il a duré en sixième. Je me remercie très très fort, je ne peux pas tenir. C'est un des premiers élèves même de la classe. Aussi pour dire à tous ceux qui nous suivent qu'aujourd'hui c'est la voix du militant, ça veut dire que tout le monde peut essayer de s'exprimer sur notre très cher pays, la Côte d'Ivoire, ou bien avec d'autres actualités. Mais moi, comme c'est mon pays qui m'intéresse le plus, je vais me concentrer sur ma Côte d'Ivoire d'abord. L'éclaireur, d'abord, on va dire merci à tous ceux, à la CEI. Pour cette élection, vraiment qu'on a eu zéro mort. Je ne sais pas s'il y a quelque part où il y a eu de mort qu'on ne sait pas, mais pour le moment, je me dis qu'il n'y a pas eu de mort, quoi. Donc, ça, d'abord, on remercie Dieu et on remercie les organisateurs et vraiment l'armée aussi. Voilà, avec à la tête papa TBO et son équipe. On leur dit vraiment merci. Parce que c'est de ça qu'on a besoin, en fait. Parce que nous sommes des citoyens lambda. OK. Et ce qui nous embête le plus, c'est la vie de nos parents. Et nous qui ne sommes pas à l'étranger, vraiment, quand on sent qu'il y a la terreur et il y a la frayeur dans la tête ou bien dans l'esprit de nos parents au pays, ça ne nous fait pas plaisir. Voilà. Et comme j'ai dit, les semeurs de troubles même là, et je dis et je vais redire,
c'est ceux qui sont derrière l'eau. Sinon, je crois que tout citoyen ivoirien a commencé à comprendre quelque chose, que sa vie lui coûte cher, quoi. Et que mourir pour un politicien, c'est cadeau. Mourir pour des bêtises, c'est cadeau. Si tu veux t'exprimer, va voter. Je crois que l'Ivoirien commence à comprendre ça petit à petit, mais je me dis que ce sont nos confrères de l'Occident, là, tellement ils se sentent bien là-bas, ils ne veulent pas la paix au pays. Vous comprenez? Et moi, je remets que l'Ivoirien commence à comprendre que sa vie coûte plus cher que la vie d'autrui, quoi. Et que de ne pas se laisser berner par ceux qui sont derrière l'eau, qui sont en train de vous dire sortez, sortez. Parce que j'ai vu le cas de Cocody, quand je suivais un peu, je voyais les commentaires, les gens là disaient sortez, allez-y, fais ça. Sortez, allez-y, fais ça. Quoi? Pour aller se faire tuer, pour aller semer la bagarre. L'Ivoirien doit commencer à comprendre que sa vie, là, ça ne se lie pas seulement à la politique. Quand vous partez voter ces cadres-là, est-ce que ce sont eux qui vous donnent à manger? Est-ce que ce sont eux qui travaillent pour vous? Tout ce qu'on leur demande, c'est de mettre de vous mettre dans de bonnes conditions pour que vous puissiez avoir quelque chose à faire. Car l'État ne peut pas embaucher tout le monde. L'État ne peut pas embaucher tous ceux qui vont à l'école. L'école, là, ce n'est pas forcément aller rester au bureau. Non. Et regardez les pays que vous enviez, là, les États-Unis, par exemple, là, ici, là. C'est que le papa est en train de mettre pour vous là, chercher à entreprendre là. Mais c'est ce qui fait la force des États-Unis ici. Tu ne vas jamais voir un riche aux États-Unis qui va te dire que je suis bureaucrate. Il n'y en a pas. Tous c'est des entrepreneurs. Tous c'est des propriétaires de quelque chose. Donc c'est ce que le papa est en train de faire comprendre à l'Ivoirien, en fait, que c'est pas aller à l'école ne veut pas forcément dire que tu dois porter cravate, faire quoi, tout près d'un bureau. Demandez, les bureaux là, ça ne donne rien. Vous avez compris? Pour avoir un bureaucrate, je vous jure qu'un fonctionnaire ne peut pas vous dire si qui joue les deux coups du mois et du mois avec son salaire simple. S'il n'a pas quelque chose qu'il fait à côté, il sera toujours en train de prendre des crédits. Donc c'est pour vous dire que si vous-même, les gens ne veulent pas voir le bonheur de l'Occident, c'est-à-dire de l'Occident, je veux parler de nous, nous-mêmes Ivoiriens de l'Occident, ceux qui ne veulent pas votre bien, là, vous-même aimez votre bien. Et vous allez voir qu'avec ça, là, eux-mêmes, là, ils vont quitter l'Occident là-bas pour aller se mettre devant les marches ou bien pour aller faire ces désobéissances qu'ils veulent que vous fassiez. OK, maintenant, l'éclairage, je vais attaquer un confrère. Je vais dire un confrère parce que c'est quelqu'un que j'ai reconnu quand il n'était rien même. On était tous enfants. Le député Alpha Yaya. S'il a l'écoute, il saura qui parle. Moi, le député Alpha Yaya, je crois qu'Alpha Yaya ignore ses compétences. Je crois que le député Alpha Yaya pense que c'est bon seulement ou bien la Bagoué qu'il peut évoluer ou bien, je ne sais pas, faire de la politique. Je vois en ce monsieur beaucoup de potentialités, mais qu'il ignore au fait. Et je pense que il a besoin de beaucoup de conseils et il doit écouter les conseils qu'on va lui donner, que chacun peut lui donner. Parce que, qu'on se dise la vérité, quand nous voyons la politique, on nous dit la politique, on veut la jeunesse dedans. Aujourd'hui, regardez le frère Mamadou Touré. Plus ou moins, il commence à faire de la vraie politique. Et c'est cette classe, je ne vais pas mentir, cette classe a beaucoup, beaucoup décrié ce qui n'allait pas à Mamadou Touré. Et jusqu'à ce qu'on dise que cette classe est une classe d'impolis qui ne respecte pas les cadres. Alors, c'est pour le bien-être de chaque cadre. Et moi, le problème que j'ai avec mon confrère Alpha Yaya, j'ai un peu mal souvent qu'on le traite toujours de stéroïste. Je ne mentirai pas. Si ça vient de lui-même, vraiment, dans la vie, là, tout le monde commet des erreurs. Mais quand une erreur se répète, ça ne devient plus une erreur. Vous comprenez? Donc, je vais dire au confrère Alpha Yaya, le RHDP, c'est un parti auquel tu dois appartenir parce que tu as trop de potentialités. Et quand tout le monde te traite de soroïste, aujourd'hui, quand tu dis soro, qu'est-ce qu'on voit? Les coups d'État. On voit quelqu'un qui a envie de prendre le pouvoir par la force. On voit quelqu'un qui ne veut pas que la Côte d'Ivoire soit en paix. Donc si ce titre-là t'est,
ce sera très difficile pour toi de pouvoir évoluer en politique, surtout en Côte d'Ivoire actuellement. Et moi, je sais, tel que je te connais, je sais ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui vient de ton cœur. Je le sais. Mais il y a beaucoup de choses que tu dois apprendre. Tu es rentré dans la politique très jeune. Je n'utiliserai pas le côté immature parce que quand on est jeune, le plus souvent, les gens nous trouvent des immatures. Mais ce n'est pas tout le monde qui est immature étant jeune. Et je sais que si tu étais aussi immature, tu ne serais pas rentré dans la politique aussi jeune. Mais il y a beaucoup encore que tu dois travailler dessus et que tu dois écouter les conseils des gens et pour pouvoir évoluer. Parce que pour ne pas mentir, ce qui m'a amené cette fois à beaucoup suivre tes discours que tu faisais. Et dans tes discours, je voyais quelqu'un vraiment qui a envie de faire, qui a envie de changer, qui a envie d'être ce qu'il est. Donc j'aimerais que tu écoutes les conseils de cette classe, surtout cette classe éclaireur pour vérité. L'éclaireur, c'est quelqu'un, tout ce qu'il dit, moi je ne mentirai pas, c'est ce qui a fait que j'ai opté pour l'éclaireur pour vérité. Je l'écoutais beaucoup dans le noir. Je l'écoutais beaucoup, il dit dans le noir, c'est-à-dire caché, regarder. Je faisais du caché, regarder chaque fois ses émissions. Et je trouve que tout ce qu'il dit là, c'est propre. Et tout cadre qui sortira de cette classe-là sera un très bon cadre. À moins qu'il ne fasse de l'hypocrisie. J'aimerais que tu écoutes. J'aimerais que tu écoutes les conseils pour pouvoir être l'homme que tu dois être. Ne te limite pas à ça. Tu peux encore aller très loin si tu écoutes. Et moi, c'est ce conseil que j'ai à te donner. Maintenant, l'éclairage, je vais rentrer un peu chez moi-même à Congo. J'ai aimé ce que les frères ont fait cette fois-ci. Ils ont croisé la population corps à corps. Parce que quand j'étais à Congo, les femmes venaient se plaindre à moi pour des sujets que je leur disais, hey, moi je ne suis pas avec eux. Moi je suis seulement venu faire vacances pour partir. Mais vous m'expliquez vos problèmes là. Cherchez à avoir audience avec eux. Mais j'ai été très heureuse qu'ils ont eu l'audience avec la population. On avait dit les femmes, mais pour finir là, j'ai trouvé qu'il y avait femmes, il y avait hommes, il y avait tout le monde était sorti. Et vraiment, ça m'a fait plaisir. C'est ce qu'il faut. Un cadre là, tu es fait par toi, tu es fait par ton peuple là. C'est-à-dire qu'il faut écouter ton peuple. Il faut être à leur écoute. Il faut souvent l'être. Il faut même toi-même demander audience, même souvent à ta circonscription pour savoir quels sont leurs problèmes. Mais si toi tu es un cadre, tu vas, on ne te voit pas, tu sors, tu es parti. Les gens murmurent à côté là. C'est vraiment pas bon. Et vraiment, je suis fier de vous. J'ai vu que vraiment ça s'est passé, ça s'est bien passé. Chacun a dégagé ce qui était dans son cœur. C'est mieux que de murmurer. Et c'est ce conseil que je leur avais donné, c'est d'arrêter de murmurer. Au lieu de murmurer, allez-y les croiser, c'est mieux. Donc vraiment, j'ai dit chapeau à ce côté-là. Je leur ai dit merci pour ce qu'ils ont fait là-bas. Maintenant, mon côté d'Alois aussi. Ok. J'ai été à Dalois. J'ai grandi à Dalois. J'ai été à Dalois depuis j'avais 10 ans. Ok. Donc j'ai grandi à Dalois. À Dalois là. Dalois est comme un carrefour. C'est un carrefour qui mène à Issia, ça va à Vavoie, ça va à l'ouest jusqu'à Guinée et puis Libéria passe par Dalois. Mais il y a un point à Dalois que j'aimerais vraiment que ça représente Dalois, qui est le rond-point au commerce. S'il y a des gens de Dalois qui m'écoutent, j'ai eu à parler au bon vieux père de Mamadou Touré. Je lui ai dit que ça là, ça doit honorer la ville de Dalois. Donc, comme les élections sont finies et que maintenant le travail doit commencer, qu'il songe à ce côté-là. Donc, l'éclaireur, vraiment merci pour tout et c'est ce que j'avais à dire. Vraiment, merci beaucoup, cher maire. Merci pour tout ce que vous avez dit. Et au-delà même de ce... de cette personne... Je dirais que nous, les militants du RDN, nous ne devons pas oublier nos morts et nos martyrs. Et ceux même qui sont vivants, qui portent encore les stigmates, il faut qu'on les honore. Ça ne nous fera que plus grands. Et si on doit honorer quelqu'un, on doit, cher RHDP, nous, on n'a pas les moyens. Essayez, après ces élections-là, que les dirigeants du RHDP utilisent cette victoire-là pour honorer le président Ouattara. Appelez-le, faites-le à soi et puis dites que vraiment, respect. Appelez le chef de l'État, dites-lui, il n'a qu'à laisser ses chiffres, il n'a qu'à laisser ses voies, il n'a qu'à laisser ses constructions de ponts-là. On le fait à soi un jour, on lui dit, viens, vraiment, tu as fait. Honorons le grand maître. Nous, on ne vit pas en Côte d'Ivoire, mais nous savons de quoi on parle. Vous voyez comment les autres sont en train d'honorer leurs vauriens de vers de terre. Nous, pour nous, qui a tout fait,
Nous, on est là, on ne peut pas. On va attendre quand il va mourir, c'est là qu'on va venir l'honorer. Non. Non. C'est un homme qui est trop vrai. Et essayons de lui retourner un peu cette vérité en lui disant en face, vraiment, vieux, tu as fait. Même si la Côte d'Ivoire ne reconnaît pas, nous les militants, là, quand on regarde hier et puis aujourd'hui, là, vraiment, le combat, là, on ne regrette pas tant que tu as été notre leader. Il faut qu'on lui dise en face. Et pour moi, j'ai dit pour moi, on aurait pu profiter de cette victoire-là pour attacher le vieux, pour le faire pleurer un jour. On va lui dire ce qu'on ressent de lui-même en face. Lui-même va savoir que vraiment, il a des enfants derrière lui aussi. Ça, c'est un conseil que je donne aux cadres. Maintenant, vous avez parlé de la proximité des cadres de Kong. Chère mère, je peux dire aujourd'hui, quand vous prenez la région même de Kong aujourd'hui, vous étiez là-bas, vous nous avez envoyé. Imaginez Kong il y a 10, 13 ans et imaginez le Kong d'aujourd'hui. Imaginez, vous nous avez dit des choses ici, mais les gens oublient vite. Mais moi, je n'ai pas oublié. Vous avez dit des choses. Quand hier et puis aujourd'hui ne sont pas même chose là. Ayons le courage de dire ce qu'on veut. Quand on se plaint pour se plaindre là. On se plaint là pour avoir quoi? Pour avoir le bonheur de notre population et le bonheur des générations à venir. Il n'y a pas un plus grand bonheur que d'avoir des dirigeants qui vous écoutent. Et je peux le dire et je peux le dire parce que quand tu expérimentes quelque chose, si tu ne le dis pas, tu es un homme hypocrite. Les dirigeants, là, ils nous écoutent. Les dirigeants, là, ils écoutent pour dire les choses simplement. Mais si toi-même, tu ne prêtes pas attention aux détails ou bien aux manières de faire les choses. Cher mère, je vais vous dire une chose, voyez-vous. Quand Dieu crée les hommes, naturellement, c'est totalement... On veut que nous soyons tous égaux. Mais quand on va à l'école, l'égalité s'arrête. Parce qu'on voit qu'il y a des vauriens, on voit qu'il y a des bons, on voit qu'il y a des moins bons. Dans la vraie vie active, on voit qu'il y a des gens qui réussissent plus que d'autres. Est-ce qu'on peut venir dire encore que ces personnes-là sont mêmes? Non. Même si on dit que vous avez les mêmes droits, vous n'aurez pas les mêmes avantages. Ça, c'est comme ça que la vie même est faite. Pourquoi je suis en train de dire tout ça? C'est que souvent, nous-mêmes là, est-ce que nous savons utiliser les manières pour aller vers nos cadres? Moi, je ne parle pas de ceux qui veulent faire leur publicité ou même de ceux qui cherchent de l'argent. Mais souvent, quand tu as l'occasion de rencontrer certains de nos cadres, mais tu te dis, mais finalement, mais c'est quelqu'un même qui ne... il se met à terre pour tout le monde. C'est des exemples que je donne. Hein? Parce que moi, je ne parle pas. Quand c'est mal, je le dirai. Quand c'est bon aussi, il faut le dire. Mais souvent, voyez-vous, quand nos populations disent, oh, se plaignent là, il faut bien leur demander de quoi est-ce qu'on se plaint. Si c'est pour dire, non, je n'ai pas eu ça. Non, on ne parle pas du particulier, on parle du développement global. Dans le développement global, chacun doit chercher à évoluer. Et donc ça, c'est très important. Si on arrive à comprendre cela, c'est encore plus intéressant. Vous avez parlé de nous. C'est-à-dire nous les cyber-militants, ou mes cyber-activistes, ou mes cyber-influenceurs. Là, je nous mets dans le même lot. C'est nous, on reste derrière les écrans. En train de dire, c'est fini pour Ouattara. La Guinée est en train de brûler. Le Mali aujourd'hui a fait. Et comment ils appellent? L'armée a monté en puissance. Alors que vous savez que l'armée est en train de monter en puissance, mais Bandiagara, les gens sont en train d'être massacrés, les femmes sont en train d'être violées. Vous êtes en train de dire « Vive la révolution !» L'armée burkinabé s'est fait canarder à plus de 57 personnes. Là, on peut tuer des militaires. Quel sera le sort des civils? Oh non, non, on nous parle de révolution. Avec des gueules comme Traoré. Voyez-vous, à un certain moment, la vérité va finir par vous rattraper. Vous avez vu Adama Diarra qui s'est fait arrêter, Ben Le Cerveau. Ceux qui ont été des auteurs du grand mensonge. On vous a dit que la révolution mange ses enfants. Et ce n'est pas tout. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Je vous ai déjà parlé de la ferme des animaux. C'est un petit livre que vous pouvez lire. Ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Mais une chose est évidente. Tous ceux des Africains, et surtout particulièrement des Ivoiriens, qui sont en train de semer le feu. Ah non, aujourd'hui c'est le dernier jour de Ouattara. Ah non, la Côte d'Ivoire a pris feu. Ah non, c'est gâté au pays. Je souhaite Dieu que quand ça sera gâté là, qu'on tue vos mamans, vos papas, qu'on viole ta soeur, qu'on égorge ton papa et tes enfants.
ou même tes soeurs, là comme ça, là, ce que tu as toujours dit sur Internet, là, les bénéfices, là, tu les as récoltés directement. Comment on peut être si inconscient? Vous pensez que c'est ça qui va inquiéter ceux qui sont en Côte d'Ivoire? Vous pensez que, un de ces gâtés là, vous pensez si c'est gâté là, ceux qui s'est gâté vont s'asseoir pour vous regarder? Nous, on va toujours continuer à dire la vérité. En réalité, il y a beaucoup parmi nous ici, on a échoué. Il y a beaucoup parmi nous, on crie sur Internet, d'autres se montrent, ils portent des vestes, tout ça là. Qui aurait cru que quand John Giovanni, celui qui incitait à la mort et à la haine, quand vous le voyez habillé, vous auriez pensé que c'est un monsieur qui vivait dans sa propre maison alors qu'il vivait en sous-location? Il était gardien, c'est qu'on appelle vigile. Mais tellement il s'est compromis dans sa propre vie, à un certain moment, il était obligé d'abandonner ce métier-là pour devenir vendeur de glutamate ou glutation. Tout ça pour rester dans une vie de mensonge, pour ne pas qu'on le voit en train de faire du gardiennage. Et dans des vestes, ce que je veux dire, dans le matu vu. Mais à la fin, même son argent pour aller l'enterrer, c'est une quête qui a été réalisée. Et vous avez vu la misère que ça a représenté, que son enterrement et autres. Et encore, je vois d'autres qui font des prophéties. Mais c'est très intéressant. Vous qui êtes en train de vouloir brûler le pays, là, vos bouches, ça ne peut pas brûler un pays. Ça, vous êtes trop petit dans cette histoire-là. Parce que de la même manière que vous voulez brûler là, il y a aussi des bouches comme les nôtres qui vont aussi éteindre ce feu-là. C'est ce qu'on vous a prouvé durant ces élections-là. Si en 2020 et avant 2020, on vous avait beaucoup regardé, sachez que nous aussi, à force d'être dans vos bêtises là, on a acquis de l'expérience maintenant. Depuis 2020, on s'est frotté à vous, on sait ce que vous valez, on sait où vous allez et on sait de quoi nous sommes capables, mais vous ne savez pas de quoi nous on est capables. Mais on ne va plus vous laisser. On ne va plus vous laisser. Si vous avez pu abuser de l'ignorance des Maliens, des Burkinabés et de bien d'autres, sachez que nous autres, on sera là pour éclairer les esprits des uns des autres pour leur dire voilà ce qui est bon pour vous. Quant à ceux qui font des prophéties, c'est vraiment très intéressant. Et comme je l'ai dit, le rêve est permis dans ce monde. Mais vous n'avez pas vu la défaite fracassante de Laurent Gbagbo avec 1% aux élections. Votre Dieu est un Dieu incapable, un Dieu aveugle, un Dieu sourd, un Dieu muet, un Dieu sans valeur. Même je préfère les dieux païens que le Dieu que vous adorez. Un Dieu qui est toujours en train de voir le mal. Et il ne voit pas d'autre mal, hein? Sauf que le mal qui doit toucher Ouattara. Ah non, ce régime tombera dans 40 jours. Ah non, le Seigneur m'a révélé. Puis tu entends le son d'une guitare. Il tombera. Il ne tombera pas. Il ne tombera pas. Parce que ce que vous avez dit, Dieu n'est pas un Dieu injuste. Et Dieu sait voir ce que vous et moi ne pouvons pas voir. C'est-à-dire les cœurs des uns des autres. Donc vous vous fatiguez. Vous savez le nombre de personnes qui font des prières pour Ouattara? Vous savez, il y a le nombre de combien de personnes à qui l'État a fait du bien, de façon directe et indirecte. Aujourd'hui, leur vie a changé. Chaque fois que ces personnes-là bénéficient de ces bienfaits-là, vous ne savez pas que Dieu accroît le champ spirituel de l'homme Ouattara? Ce n'est pas moi qui le dis. Tant qu'un dirigeant est juste, Dieu n'a aucune raison de l'abandonner, de l'humilier. C'est comme ça. La nature a des règles. La nature même a des règles. Un père là, si tu ne te fais pas respecter là, tes enfants n'ont même pas besoin de dire que tu es un père indigne. Mais un père, même quand tu es pauvre, mais que tu restes digne, les enfants vont te respecter en fonction de ça. Ça c'est d'abord entre nous les humains. Et Dieu, non parce que vous êtes fâchés, vous ne l'aimez pas, donc il doit tomber. C'est pas Ouattara là. C'est pas le président de la Côte d'Ivoire actuelle là, c'est pas lui. Et donc pour nous, on vous regarde. Ça nous fait sourire, mais c'est en même temps dégoûtant. Vous êtes dans ça depuis combien d'années? Mais vous ne savez pas que c'est votre propre chute que vous êtes en train d'annoncer. Parce que tout ce que vous dites, tout ce que l'homme dira sera retenu contre lui, en bien ou en mal. Et quand c'est souvent mauvais comme vos cœurs, là, ça retourne contre vous-même. C'est pourquoi chaque fois que vous allez prophétiser ces mauvaises choses-là, Dieu va tuer vos enfants, il va frapper vos femmes d'infertilité, il va vous-même vous frapper d'une pauvreté financière, morale et dans tous les sens. Et comme ça, vous allez comprendre que dans la vie, là, on n'agit pas injustement. Je vous ai donné le verset de la Bible qui dit ici, ne maudissez pas injustement Dieu et ne maudissez pas vos princes.
Ahmed, vous dites que vous êtes chrétien. Ça, là, ce n'est pas dans vos écrits. Et donc, c'est à croire que soit vous n'êtes pas chrétien et que vous avez fabriqué votre propre religion et donc vous êtes dans le faux, ou bien vous êtes en train de distraire ceux qui vous suivent. Sinon, là, pour faire tomber un régime, là, tout le monde sait ce qu'on doit faire. Tu prends des vrais garçons, comme les shérifs Ousmane, comme les général Ibé. Pour nous, Ibé, c'est un général. Je le dis très bien. Ibrahim Koulibaly, pour nous, c'est un général. Voilà. Tu prends des gens comme Kone Zakaria. Tu prends des gens déterminés comme Ouattara Mourou. Tu prends des vrais garçons comme Kone Messamba. Tu prends des vrais garçons comme commandant Loss. Et puis tu casses la gueule du dictateur. Et puis tu arrives à tes fins. Voilà comment on fait tomber un régime. C'est sur ce chemin-là qu'on vous attend. Et donc vous n'inquiétez personne avec ce langage de petite poupée. Il tombera. Hey, mais pour tomber, il faut trébucher. Il n'a même pas encore trébuché. Vous dites, il va tomber. Et donc là, Ouattara, là, ne le voyez pas comme une personne. Il y a des millions d'hommes qui sont prêts à donner leur vie pour lui. Nous, on n'est pas comme les militants de Laurent Gbagbo. Hein. Ah non, on va marcher sur nos corps. Nous, là, quand on est à Boaké, là, on va sur front. On tague nos gars, on prend les mains dans le bâchon, on les ramène, on s'en va les enterrer, et puis on retourne au front. Berthe est là, nous, on ne se cache pas. Donc là, nous, on ne va pas dire à Ouattara que non, et ils vont marcher sur notre corps. Nous, on va vous taguer. On va vous exterminer. Et puis, on va voir ce qui va se passer. Mais comme ce n'est pas encore arrivé, considérez ça comme de l'amusement ou bien comme du dit, ce qui a été dit simplement. Mais si vous pensez que nous sommes des plaisantins comme vous, continuez à dire ça. Mais ces malédictions vont se retenir contre vous-même. En temps, Ouattara est là. Dieu est en train de le renforcer tous les jours. Vous êtes en train de dire qu'il va tomber. Mais aujourd'hui, là, il a la preuve infaillible en main pour dire qu'aujourd'hui, voici ce que c'est que la Côte d'Ivoire. La carte qu'on vous a montrée là, ça définit aujourd'hui la cartographie électorale de la Côte d'Ivoire. Oui, Berthe Lassina, le Christ nous a dit, il dit, beaucoup parleront à mon nom, mais sachez que ce sont des faux prophètes. Et on sait où ces prophètes-là vont se former à Ouida pour prendre des fétiches. Et ils pensent qu'on ne les connaît pas. Ils font des fétiches pour Satan où ils peuvent essayer d'influencer certains esprits faibles. Les bonbons, là, c'est chaque 7 ans, ils s'en vont renouveler. Mais à la fin, là, on sait comment ils finissent. Ils se font tuer comme des chiens, souvent écrasés, ou bien souvent, ils se pendent eux-mêmes, ou bien souvent, ils sont morts dans leur maison quand les esprits, là, viennent casser leur tête. Mais c'est votre problème. Ouattara, lui, il est trop serein dans le pays, là. Actuellement, voilà Laurent Gbagbo, là. Si vous pouviez faire des prophéties pour lui dire sa vraie vie, là, qu'il ne représente rien dans le pays, là, ça va vous permettre de vous réveiller. Les vraies prophéties que vous devez voir aujourd'hui, là, c'est... Ah, pourquoi Laurent Gbagbo, aujourd'hui, là, il a perdu Yopougon. Vos prophètes n'ont pas pu voir ça. Alors que nous, qui ne sommes même pas des prophètes, hein, nous, on est des élèves de la classe. Nous, on vous a dit que Yopougon, là, il va perdre. Nous, on n'est rien, hein, mais aujourd'hui, là, les résultats nous permettent de savoir que Laurent Gbagbo, là, il n'est rien. Et ça, c'est le monde réel. Et vous serez tenus de faire avec. Parce que la haine, quelle que soit sa force, on finit par la vaincre et vous serez vaincus. C'est de cela qu'il est question. Et donc, chère mère, je n'ai pas abusé de votre temps. Vraiment, merci beaucoup. Et j'allais vous souhaiter une excellente soirée. Merci l'éclaireur et moi, et je suis à l'écoute. Okay. Bonne écoute à tous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons toujours continuer. Et on va aller avec l'avant-dernière personne. On a deux personnes. L'aîné Kone Adama et le cyclone, c'est avec ces deux personnes que nous allons terminer. Et donc, on va déjà débuter avec l'aîné Kone Adama et on va terminer avec le cyclone. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, oui, cher ami. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, cher frère éclaireur pour vérité. Comment allez-vous? Ça va et vous-même? Ça va extrêmement bien. J'ai fait une prophétie sur vous. Oui. Et il se pourrait que bientôt vous soyez milliardaire. Hein? Ah, parce merci que beaucoup. Moi, vraiment, que Dieu vous entende. Parce que moi, dans mon monde, je préfère professer
les bonnes choses et prédire les bonnes choses plutôt que les mauvaises. En tout cas, merci infiniment et que Dieu réalise la prophétie. Amen, 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 amen. Et j'ai aussi vu dans la prophétie que Ouattara, il sera président et il va être notre président en 2025, mais après, oui. Encore, il va faire deux autres mandats. Et au troisième mandat, il va dire, bon, les enfants, je suis fatigué, c'est-à-dire en 2035, non, en 2040, mais là, ça sera en 2037. Là, j'ai vu comme ça, il a appelé ces petits-là, les TBO et autres-là, avec les pros, il a dit, bon, les enfants, les petits, je suis fatigué, donc je vais être votre coach et puis, bon, je vais me reposer un peu. Ça, c'est ce que moi, j'ai vu. Voilà. En tout cas, que Dieu vous entende. Amen, amen. Ça veut la série. Amen. Oui. ok. En tout cas, merci Éclaireur pour vérité. Merci à tous les EPV ici présents. Je ne vais pas être long. Je me réjouis en tout cas encore une fois des résultats des élections qui viennent de se dérouler. Et d'entrée de jeu, je vais dire merci à tous les Mao, à tous ceux qui commencent à nous suivre, à nous faire confiance. Je ne vais pas citer vraiment les noms et je remercie infiniment même les nouveaux qui font leur entrée dans la classe. Et simplement pour dire que oui, cette élection a révélé que originellement FPI, qui, ma foi, s'est scindé avec d'un côté l'enveloppe et de l'autre côté le contenu. Et donc, cette élection a prouvé que ni l'enveloppe ni le contenu n'a donné aucun résultat. Et donc, c'est la grande satisfaction de cette élection. Et nous aussi, en tout cas, cette classe éclaireur pour vérité, sommes extrêmement très ravis de ce résultat, de ce score assez fameux pour ce ex-FPI, scindé en FPI et donc au PPAC. Et donc, l'éclaireur, je vais juste vous dire à ceux qui viennent de nous prendre en marche, en tout cas, pour dire que côté Paris, nous avons une section ici qui tient des réunions une fois dans le mois. Et donc, la prochaine réunion, c'est ce dimanche qui se tiendra au lieu et heure habituelle. Et donc, pour tous ceux qui ont des difficultés de nous joindre, peuvent rentrer dans le messenger de Maman Blanc, Machata Blanc, ou bien même des Cyclones, et donc, ou toute autre personne qu'ils connaissent de la plateforme appartiennent à la classe éclaireur pour vérité Paris et peuvent rentrer en tout cas les joindre directement sur leur messenger ou numéro de portable non. Et donc ce dimanche se tiendra la rentrée en tout cas des EPV Paris au lieu habituel et à l'heure habituelle. Donc ainsi voilà le message que je voulais passer ce soir. Et un remerciement infini et spécial pour un individu. Et ce monsieur-là, je ne peux pas remercier tout le monde, sinon j'ai déjà remercié toute la Côte d'Ivoire. Mais le remerciement spécial revient à notre intervenant de Oumé et qu'il, s'il nous écoute, peut prendre contact avec un des élèves de Paris et que nous allons échanger parce que c'est un élément très important et très capital pour nous. Okay. Et donc, je ne saurais terminer sans Annie. Remercier aussi. Oui. Vous m'excusez, j'aimerais en même temps aussi appuyer ce que vous avez dit. L'intervenant s'appelle Kevin Kwasi. Ah, donc d'accord. Vous avez dit, Kevin, si tu as entendu là, les gens de Paris disent qu'ils ont besoin de toi et qu'il faut rentrer en contact avec eux. Donc, comment faire pour rentrer en contact avec eux? Dès que tu es en ligne, si tu entends ce message, tu rentres en contact avec moi, je vais te mettre en contact avec eux. Voilà, c'est très très bien dit. Voilà. Et donc, je vais terminer mon allocution en disant un grand bonjour à notre frère Meïté Tefet du côté de Kani et que nous remercions et nous souhaitons en tout cas nos condoléances à toute la famille du côté Meïté, en tout cas à toute la famille Meïté du côté de Kani. Il se trouve en ce moment pour les funérailles de sa maman à Kani et donc nous disons bonjour à toute la famille Meïté à Kani. Donc, l'éclaireur, je vais laisser le prochain candidat en disant encore une fois bravo à tous les Mao qui ont intervenu ce soir et qui continuent d'intervenir sur la plateforme tous les jours. Et même les Mao aussi, qui aujourd'hui n'ont pas assez brillé, sinon ils n'ont pas intervenu, c'est normal. Si nos Mao ont pris la place, c'est tout à fait évident qu'il y a des jours comme ça. Merci. Donc, c'est vraiment ce que je voulais dire ce soir. Je reste à l'écoute et donc voilà. Merci, bonne soirée à tous. Chère année, c'est nous qui vous disons vraiment merci, surtout que la teneur des informations
en valait la peine. On dit dimanche, là, il y a réunion des EPV à Paris, au même endroit, au même lieu, à la même heure. Tout le monde connaît. Vous avez Binet, quand elle est partie là-bas, elle a grossi en même temps. Il y a mangement là-bas. Donc là, si tu es un sénoufo là, tu peux aller manger pour un mois ou même pour une semaine. Là, tu vas garder ça dans ton ventre comme un varan ou même comme une vipère. Donc, c'est une manière assez comique de dire la chose, mais c'est très sérieux. Et vraiment, nous disons merci à la classe de Paris qui est très dynamique, qui est très bien structurée et qui vraiment ne lésine pas sur les moyens. Nous vous en sommes plus que reconnaissants. Vraiment, merci d'être venu nous porter cette nouvelle-là. Et merci infiniment, cher aîné. Je vous remercie. Ok. Bonsoir, le cyclone. Bonsoir, Éclairant Pro Vérité. Comment ça va? Alhamdulillah, ça va. Et chez vous? Ah, tu as fait jusqu'à maintenant, il y a maman ouragan maintenant. Ok, donc là, comme on le dit, hein, je te laisse volant tout, faut prendre contrôle même de la route, même si tu fais rouler en sens inverse. C'est parti. Bonsoir à tous les Mao, bonsoir à tous les Chao, bonsoir à toute la classe. Je dis bonsoir au président de la République, son excellence, M. Alassane Ouattara, papa Choco de Côte d'Ivoire. Eh, vous les Maliens qui refusaient de vivre dans le monde là, approchez-vous ici. Voilà. Et j'appelle aussi les Maliens de l'autre côté qui sont prêts pour l'abri. Prenez vos tabourets, venez ici. Président de Côte d'Ivoire là. C'est plus président. C'est nos prophètes. Prenez-le comme vous voulez. Et merci, Papa Ado. Merci, Monsieur le Président de la République. Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara. Le derby d'Afrique. En un rien d'état, il a désavoué tout le monde. Ils sont aigris, jaloux, notoires. C'est ce que ça veut dire. Celui qui n'est pas jaloux, là, n'a qu'à faire comme Papa Ado chez lui. Et puis, laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Nous, on avance. Souvent là avec le président. Il fait tout pour nous. C'est ça qui peut être dur. Papa, non, c'est pas de ta faute, c'est pas de nos fautes. Ils vont nous insulter parce qu'ils ne sont pas éduqués. Je parle de vous, les grigous, vous, les sorciers, là. C'est de vous qu'on est en train de parler. Faites comme président de la République de Côte d'Ivoire. On sait que vous ne pouvez pas faire. Mais tout ce que vous reste là, c'est de vous plier et prenez conseil pour qu'ils puissent vous... nous aider, puis vous aider pour sauver la vie des Africains. C'est de ça qu'il s'agit. Les bandits qui sont venus au pouvoir avec les armes. Un soldat qui est censé à protéger la population et le territoire de son pays. Qui fuit les fronts. Qui vient chasser le président. Et voler, piller les caisses d'État. Et manipuler la population. Et la population qui... C'est pourquoi, papa, nous, on ne peut pas finir de vous dire merci. Parce que l'école, là, il y en a beaucoup chez nous. À un moment donné, nous, on était comme ça aussi. Mais votre arrivée là, ça nous est déjà mal. Papa, nous, on vous dit merci. Mais c'est là, ils vont comprendre. À ce moment, c'est trop tard. C'est là, vous, les coups d'étaïstes, vous, les djihadistes, qui passent, vous qui parlez que ça reste la Côte d'Ivoire, et bientôt, vous allez payer, vous allez prendre visa pour venir en Côte d'Ivoire. Ça va vous étonner. Laissez-la vous amuser. Parce que ceux qui travaillent avec ceux qui ne veulent pas travailler là, ils ne peuvent pas composer ensemble. Attends, c'est caqué. C'est deux mecs qui se lavent. Si on ne connaît rien, on vient apprendre. Ouais. C'est ça, président de la République de Côte d'Ivoire. On vous dit merci. Qui fait la promotion de la jeunesse? Nous, on voit, c'est d'entendre les papas d'eau. On voit les enfants diplômés. Jenny, calé. Et lui-même, il est là, il est félicite pour demain, pour l'avenir de Côte d'Ivoire. Mais vous, qui voulez rien comprendre, vous qui avez refusé de comprendre où d'aller à l'école, où vous êtes parti à l'école, allez utiliser la machette là-bas, vous ne pouvez pas voir clair dans le jour du président de la République. Parce que lui, c'est le travail, et travail, et travail.
félicite tous les jeunes, tous les élèves qui sont pillés en Côte d'Ivoire. Tous ceux que l'État a fait leur promotion, tous ceux qui ne sont pas encore bénis. Prenez le courage. Quand tu es compétent, si tu bosses, tu vas te retrouver devant le président un jour. Parce que lui, il a besoin des champions. Et il a parlé. Il dit champions nationaux. C'est pourquoi, éclairant, on vous dit merci. Même si le réseau, vous êtes un chef et les élèves sont des chefs. Nous sommes les champions nationaux. Et ça là aussi, là. Ils sont encore comme ça. Faut te fâcher sur ton problème. Moi, je m'en fous. Mais si tu dis la vérité, pas de courrier. On dit travailler. Même en parlant, on dit la vérité. C'est pas facile. C'est ça. Éclairé, je dis merci à toutes les équipes éclairées pour vérité. De loin ou de près. Tous ceux qui contribuent en partageant le direct, en likant le direct, sécurisant le direct à travers les coups, parce qu'ils ne veulent pas. Ils ont tenté et ils ont mis toutes les logistiques en place pour nous faire taire. Ça n'a pas marché. Et on a vu tellement ils ont fait, ils sont venus se dévoiler devant le monde entier. Ça ne se fait pas ici. Mais on est là, tranquille, serré, imperturbable. C'est nous, on avance tout seul. C'est le président de la République. On va lentement, mais sûrement, et on est là. C'est ça, le président. C'est ça, les enfants du président. Maliens, priez pour vous. Voilà, priez pour vous. Nous, on mange chez nous. Chez nous, là, c'est beau que chez vous. Arrêtez de faire bruit. On vous a dit ici, belle les cerveaux. Ça n'a pas encore commencé. On vous a parlé. Les Ivoiriens sont sortis comme un seul homme. On vous dit, dans le chemin où le Mali a pris, c'est pas bon pour le Mali. On a vécu ça en Côte d'Ivoire. On a vu le pouvoir militaire. On sait ce qu'il nous a fait. Donc, on vous a dit ici, un dégât ils ont fait, là, on a vu. On a perdu beaucoup de nos parents. Et pour les Maliens, pour les Burkinabés, pour les Nigériens, pour les Guinéens, vous êtes témoins parce que tout le monde était traqué au même niveau. Mais nous, les Ivoiriens de Côte d'Ivoire, qui avaient à peu près les mêmes noms que les Mali, que les Burkina, que la Guinée, on a vu, on a affronté, on s'est battu à vos places. Il y a un proverbe de chez nous qui dit, quand tu plaques ignoble, là, tu ne peux pas aller enlever banane. C'est ignoble qui va aller enlever. Soit, tu ne vas rien enlever. Mais vous, ce qui s'est passé devant vous, vos parents qui étaient assassinés en Côte d'Ivoire par Article 125, par Blé Goudé, par Simone Babo, par Laurent, vous avez oublié. Et vous faites semblant d'oublier. Seulement parce que simplement vous êtes hypocrite. Dieu n'aime pas hypocrite. Dieu n'aime pas hypocrite. Oh, pourtant, il y a le petit-fils de Dieu au Mali. Et Dieu, avant de tracer son plan-là, il a pris conseil avec les Maliens. On a dit, vous avez parlé et vous avez tout dit. Même d'avoir mal, vous ne voyez même plus. Et c'est grave. Et chaque jour, vos cyber-activistes qui s'appellent Sekou Toumara, ils sont, malgré Abayangara, ils sont en train d'assassiner. Les fils se lèvent au Mali. Les parents sont assassinés. Les familles sont déplacées. Tous les biens sont détruits. Lui dit, urgent, bonne nouvelle. C'est ça, il peut dire. Et c'est ça que vous allez entendre. Parce que vous, vos mal, vous ne voyez pas. Et ceux qui viennent à l'aise, vous dites dans vos têtes que c'est eux qui sont vos problèmes. Dieu n'existe plus chez vous. Mais la Côte d'Ivoire avance small avec le président. La preuve, les opposants qui sont allés vous mentir, blaguer, pour insulter le président de la République, pour dire tout aussi les Ivoiriens, on vient les voter. Malgré on les a ligotés, on a rappelé tout, parce qu'ils ne présentaient rien en Côte d'Ivoire, parce que c'est des dictateurs, c'est des assassinés, c'est des créateurs, des charniers de nos pouvoirs. On a vu, ils ont tué les chauffeurs partout, les commerçants. Ils sont tombés, on a voté, on dit non, il y a un tricage. Ils n'ont que les bouches. Ils n'ont jamais rien reçu. Un homme ne peut pas s'évoluer comme ça. Les Africains, réveillez-vous. Le seul panafricain en Afrique, c'est Papa Ado. Ado Madou Goudron. Oui, c'est lui. Il a beaucoup de noms. Et tous les noms le ressemblent. Parce qu'il est universel. Et il est d'accord avec tout le monde. Hé, Papa Ado. Wallah, Papa Ado. Que Dieu nous donne trois ouattara dans chacun d'entre nous.
dans nos familles. Mais vous qui n'aimez pas la Côte d'Ivoire, que Dieu vous donne le modèle de Simone Gbagbo, le modèle de Pierre Goudé, le modèle de Sorokium, le modèle de Gbagbo Laurent, et puis nos Kabouza Niati, vous allez voir clair dedans. Pour dire la politique n'a pas besoin forcément d'ethnie. Non, la politique, toi, moi Nordiste, toi Bété, moi Baoulé, toi Annie, toi Guéré, ce qui nous, doit nous intéresser, qu'est-ce qu'ils vont faire pour nous? C'est quoi qui est pour nous? C'est de nos vies qu'il s'agit. Mais les politiciens volaient, comme les parents de PDCI. Mauro Touré, je vous dis bonsoir. Tous mes respects et considérations. Vraiment, non, vous avez fait fort. Quand les vieux impolis ne veulent pas partir là, c'est comme ça qu'il faut les faire. Pour les libres propres. Je sais que devant ça coule là, c'est l'eau qui passe là-bas. Mauro Touré, pardon, c'est l'État dans sa continuité. Pour les montrer comme un goudron devant chez lui. Pour les effacer pour toujours. Il a déjà effacé, hein. Mais il faut nous faire oublier en commun. Parce que c'est là, on veut plus se souvenir des les paroles de PDC. C'est là, ils ont détruit la Côte d'Ivoire. Après, vous voyez, c'est Papa Ado qui vient. C'est notre tir de PDC au Coroïs. Mais vous n'allez nulle part où il faut partir. Voilà ça maintenant. Vous avez sauté, courir dans un sac de piment. Vous allez parler. Vous avez créé des propos haineux. Tout ça là. Conclusion, c'est quoi? C'est venu. Vous allez venir vous plier au pied de Papa Ado. C'est pourquoi Dieu dit, lui, son nom, c'est la vérité. Son nom, c'est pardon. Son nom, c'est l'amour. Et président, il a tout ça en lui. Voilà ça. Vous avez fait tout. Essayez de l'assassiner. Sali, insulté. Burkinabé, il vient de Tokyo. C'est un Mossi. C'est un Bresset. C'est un loup. Voilà ça maintenant. Conclusion, là, c'est lui. Sans lui, on a déjà oublié. Le créateur de ce mouvement-là. Mais ce qu'il a posé comme acte, on ne va jamais oublier. Mais les Ivoiriens ont pardonné grâce à Dieu, grâce au président de la République. C'est l'amour. Il ne prend pas chicot de quelqu'un, il n'oblige pas quelqu'un, il fait tout naturellement et ça vient positivement. Papa Ado, tous mes respects et considérations. Parce que quand on parle de votre vie, Papa Ado, ça les fait mal. Ils vont nous insulter, ils vont vous insulter. Quand on ne parle pas, ça va les faire mal. Monsieur le Président, vous ne parlez même pas, ça les fait mal. Quand vous parlez, encore c'est gâté. Dieu peut faire ça. Et voilà, Dieu a fait ça pour la Côte d'Ivoire. Et nous sommes à l'image des présidents de la République. Nous, les Ivoiriens, éclairés, qui n'est pas fier d'être Ivoirien à l'aile là? Qui? En Afrique de l'Ouest, mon pays est champion. Dans tout. Donc vous les jeunes, vous m'attendez, ce qu'on est en train de dire. Si on est champion dans tout, si on est devant dans tout, si on a un grand président, qu'est-ce que nous on doit faire? Maintenant, nous on doit profiter propre avec le président, parce que c'est lui qui nous a montré comment faire la politique, comment construire son pays, en un rien d'État, et augmenter même des salaires dans le monde qui est difficile. Et subventionner beaucoup de produits en Côte d'Ivoire. Mais ils ont essayé de manipuler, tu n'es pas populaire, la cherté de la vie, ils ont tout tenté, ils ont. Même demain, ils sont en train de tenter. Ça ne marchera pas, Dieu est au contrôle. Mais Nina Paul Kouadio, mais le cœur, pas va avancer. Et, Papa Ado, tu dis, on peut parler jusqu'à demain matin. Donc, c'est au côté de la LLC. Tout ça, c'est merci des présidents de la République. Au nom des Ivoiriens, au nom des Africains qui sont éclairés, qui veulent la vie et l'amour et vivre avec leurs enfants. Sans qu'on les assassine. Mais Gbagbo, si je veux parler, si je dis trois mains, tout le monde serait découragé. Il a envoyé Charnay, il tuait le chauffeur. Bon, il a pillé notre argent, il a divorcé à la réponse. Lui-même, il a refusé ses enfants. Il dit, non, n'aimez pas les Doula, les Doula ne sont pas bons. Mais lui-même, là, c'est notre petit Seyé Lalep. Quand ça voulait, ça là, il ne peut pas laisser. Parce que l'eau, là, tout est bon. Et on est avec tout le monde. Oui. Je parle des Kirigou de Côte d'Ivoire. Félicitations les Ivoiriens. Et tout le monde a compris le sens de politique du président de la République. Là, on peut faire élection sans mort d'homme. Monsieur le Président, merci. Merci et merci. C'est fini. À tête et tout. Bande de Ivoiriens que vous êtes. Des lâches que vous êtes. Des Ivoiriens. Et vous n'avez rien appris. Vous avez tapé toujours pour nous. Je dis merci à tous les membres du gouvernement. Ça, je n'ai pas oublié quelqu'un. Vous tous, tous ceux qui sont allés. Bon, ce qui est sûr, mère
à qui a parlé de Mamadou Sanogo, vraiment, tu sais, Tchapara, quand tu es avec le président de la République, que tu sois au gouvernement ou pas, que tu sois opposant ou pas, il faut être sérieux. Même si tu n'es pas élu, il faut être sérieux. Tu vas avoir sens à ta vie et à ce que tu vas dire là. Les gars vont écouter et puis ça va t'arranger. Ça va arranger chez toi et les Ivoiriens. Chers parents, je sais que vous les politiciens, vous, tout le monde veut être député parce que tout le monde veut l'argent parce que là-bas, on peut devenir facilement milliardaire. Non, on sait. Il n'y a pas un politicien qui est beau. Oui, parce que c'est non ça, vous souciez, c'est non ça, vous vivez. Je parle de tous les politiciens. Mais, chers Ivoiriens, en parlant ça, la Côte d'Ivoire n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a eu combien de soi-disant présidents qui sont passés en Côte d'Ivoire? Mais il y a eu des bons. Père Félix Oufo-Boyé, c'est le monsieur Alassane Ouattara. Les deux autres là, on sait ce qu'ils sont venus faire. C'est ceux-là qui sont présidents, les deux. Père Félix Oufo-Boyé, qui les repose en paix, et notre papa Choco, Ado, Madou Koudro. Un président où Koudro n'est rien pour lui. Et pourtant, pour les autres, c'est diamant noir, tellement c'est cher. Ah, c'est pas moi. Je ne peux pas dire le contraire. Vous êtes tous ces mots. Il a dit combien de kilomètres. Mais quand le président est venu là, partout en Côte d'Ivoire, pour demander seulement lui d'or. Donc, on demande à nos cadres, ceux qui veulent être maire et député, chacun a un rôle à jouer en Côte d'Ivoire. Ne vous imposez pas à nous d'être maire. Vous allez forcer les trucs, triquer les trucs. Vous êtes maire. Mais maintenant là, vous avez tout forcé. Vous êtes en face de nous maintenant. Nous, on dit. Voilà, tous ceux qui sont élus, tous ceux qu'on a soutenus, même ceux qui sont venus candidats indépendants, nous on s'en fout des restes, mais ce qui est de l'autre là, vous allez faire ça à prix. Sinon, voilà, amène à Mérial, voilà. Vous allez fuir un jour pour dire que vous allez démissionner. Tellement on va vous chercher, on va vous traquer. Et non, tiens, vous avez commencé un championnat comme ça. Nous on avait laissé les matchs parce que, oui, on était, il y avait les élections, il y avait. Et les sont bras-bas. Mais là, ce que vous avez dit là, on a tout écrit. Côte d'Ivoire d'avant, ça c'est fini. Tout ce que vous avez promis, tout ce que vous avez dit là, wallah, putain, ça va. Prochainement, pour être élu, c'est ce travail-là qui va vous élu. Mais si vous ne le faites pas, c'est ça qui va vous chasser. Parce qu'on a tout écrit, on a mémorisé, et on a tous les directs, qu'on TikTok, qu'on, même pour tout ce qui était caché, on a tout. Voilà. Il faut que ça soit clair. Bon, éclairé. J'ai dit merci à la Mao, l'ouragan, B92. elle est ouragan B92. B92, sans problème. Oui, la Mao, je vous dis merci. Tous mes respects et considérations, vous avez confirmé. Papa l'a dit, il dit. Les femmes, il faut qu'on mette les femmes. On voit, c'est l'arrivée de Papa Ado, nos mamans, nos sœurs, nos époux, nos filles ont des valeurs, ils ont des valeurs. Ils ont été, les promotions, on fait partout. On les valorise. Et c'est dans le cas de Papa Ado. Monsieur le président de la République, voilà la Mao, la Ouragan, B92 qui vient le confirmer. Je dis, tout ce qu'elle a dit là, qui peut dire le contraire? Si ça vous fait mal là, c'est vos problèmes. Mais viens dire le contraire. Elle est venue s'exprimer. Elle a dit la réalité des pays. Là-bas, je ne peux pas dire plus que ça. Moi-même, là, je m'écris. Oui, j'étais en chair comme ça. Je ne voulais même pas intervenir. Mais je dis non. Il faut que je vienne. D'abord, je vous dis merci. C'est qui est sûr? Nous, on est là. Là-bas, c'est là. C'est des bandits, comme vous l'avez dit. C'est des menteurs, comme vous l'avez dit. La réalité de la Côte d'Ivoire, c'est en face de tout le monde. Qui peut ne pas dire la vérité. Mais ceux qui ont accepté de ne pas dire la vérité, là, on les voit et on les attend. Mais qui profite? Tu te mens à toi-même. Honte à ta famille. Et tu serais terné. Le jour où vous allez dire la vérité, personne ne va vous écouter. C'est ça le vrai problème. Nous, là, nous, on s'en fout. Nous, on a un papa d'eau ou rien. Les autres, là. C'est Papa Ado qui est notre président. Tous les autres là, ce sont nos employés. Pourquoi ils vont faire? On va les dénoncer. Avec Papa Ado, c'est le travail. Mais, Babo, hein? Non, j'ai dit, nous-mêmes,
À la gare, au moins, il y a chef des gars, là, il était organisé que par problème. Chef des gars. Au moins, lui, il disait, les camions, le cas, ça vient s'arrêter. Et voilà, toi, tu attends, c'est lui qui est. Voilà, c'était organisé. Mais papa, il est venu faire quoi? Un perdant de mécrit. Mais le président a fait beaucoup de portes pour Babo. Si Babo pouvait s'en sortir, c'est le président qui allait sauver Babo. Le président a tenté, il a tenté, il a mis tous les moyens à bord. Pour ne pas que, malgré que c'est un dictateur, c'est un menteur, c'est un malade mental, c'est un pied de pied gauche. Le président a fait tous les cadres pour qu'il ne soit pas humilié. Mais il ne peut pas, parce qu'il a hanté, parce qu'il a assassiné, par le fait qu'il a tué. Donc Babo a fait tout le mal. Tant de morts en Côte d'Ivoire. Partout, chaque matin, chaque carbone, c'était des corps. Qui peut dire que c'est faux? Qui peut dire que c'est faux? C'est des gens, c'est des personnes comme ça qu'il faut suivre. Et je dis à tous les militants de RDR, je dis à tous les militants de RHDP, tous les sympathisants, tous ceux qui aiment le président de la République, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, on est quand même dit la vérité. Et c'est ceux qui sont morts là. C'est eux, ils ont combattu. Nous, on a eu la chance de voir les ponts, on a marché sur les ponts, mais il y a des gens qui n'ont pas eu cette chance-là. Voilà les vrais combattants. C'est ceux-là qu'on n'a pas oublié. Quand je vois Mamadou Sanogo, il dit, ceux qui ont mouillé maillot, on a travaillé, il y a des quatre qui font, toi tu es un fourrier. Ton discours-là, quand j'ai regardé, j'ai eu mal. J'ai eu mal. Toi, tu as fait quoi chez toi? Pourquoi tant de problèmes? Pourtant, ton rang social te permet. C'est ce qui peut parler au président. Nos frères et nos tontons, nos cadres qui peuvent parler au président, qui sont près du président, qui peuvent tout donner. Mais c'est leur tapé poteau. Je ne vais pas finir sans parler de chez moi, Odjelé. Il y a 31 régions en Côte d'Ivoire. Mais Odjelé, c'est 31e. Oui, ça veut dire qu'il y a un éternel. On est 31e. Mais là, nous, on voulait demander au président de la République. Si on pouvait faire au Guinée, au Mali, même c'était bon. Parce que nous, on en a marre. Parce qu'on a parlé, on a toutes les occasions en noir. Mais nous, quand dit, s'ils ont fait, ah non, non, non. La population veut bénéficier. Qui va venir faire? Qui va nous sauver? Qui? C'est nous, on a dit ça. On a fait ça pour ça. Mais pour aller voir chez moi, oh putain. Quand on regarde la placement de Ojele, ça devrait être vitrine. Ah, on sait ce qu'il y a là-bas. Ils sont en train de tromper les gens, faire comme si c'est une région où il n'y a rien du tout, où c'est la misère. Oh, pourtant, ils sont en train de sucer un petit clan où tout le monde mange de l'LBB. Ils sont obligés de soutenir. Parce qu'on ne peut pas aller en profondeur. Ouais, mais il y a un moment qui va venir. On va se dire des paix ici. Au-delà, là, c'est pas une propriété privée de quelqu'un. C'est pour les Ivoiriens. Et c'est de nos droits de réclamer les infrastructures. Parce qu'on est les champions des infrastructures qui est le président de la République. Vous n'allez pas nous dire qu'il n'y a pas les moyens qui sont dégagés. Personne ne peut dire ça en Côte d'Ivoire. Parce que le nom de nos présidents, c'est l'argent. Même s'il ne donne pas, nous, on va venir dire qu'il a donné. Tellement nous, on sait qu'il ne peut pas taper pour dollars là. Ah! Président Ouattara, quoi? L'homme qui parle de plus de milliards, plus de milliards, c'est mon président seul qui fait ça en Afrique de l'Ouest. Ah, vraiment, je dis bonsoir à mon frère Soroïs, la merde au travail, il y a longtemps, ça fait 2 jours, je ne vous voyais pas. Au moins, vous avez compris. Il était président de la République. Il était représentant. Il était représentant dans le bureau de vote pour Babo Ayopougon. Non. Pourquoi tu es représentant? Moi, j'ai envoyé une vidéo. Pourquoi il m'a envoyé une vidéo de Ado? Lui, il est soroïste, il est là. Bon, il n'y a pas de problème. Ce qui est sûr, moi, j'aime ça. Étant soroïste, sans problème, sans palabre, on discute, on doit échanger. Le plus important, nous sommes Ivoiriens et on n'a qu'un seul pays qu'on doit protéger. On est obligé de dialoguer. Voilà ce que le président nous apprend. Et nous, les enfants ivoiriens, on doit discuter, parler, on doit s'entendre sur nos désaccords, pour faire avancer nos pays. Non pas pour salir nos pays. Et tous ceux qui vont faire ça, on les traquer. Pour qu'on vous dise la vérité. Bon, je vous dis, vous les soroïstes,
Je ne parle pas. Je parle de ceux qui ne sont pas intelligents, là, les soroïstes. Voilà. Écoutez très bien. Quand on est fort, quand on est puissant, on ne se cache pas. Quand on veut diriger un pays, on compose à tout le monde entier. Parce que vous êtes censé, vous avez dans vos têtes que vous allez diriger un pays. On ne peut pas renfermer un pays comme la Russie. Non. Il faut composer à tout le monde. Vous comptez sur Guillaume Soro. Vous faites quoi même? Nous, on vous attend. Guillaume Soro, quoi? Voilà, Guillaume Soro. Ce qui est sûr, on ne va pas trop parler. Si tu es casson, si tu veux diriger la Côte d'Ivoire, la dernière fois, on a parlé de toi, tu es sorti, tu as joué basket. Mais maintenant, on parle de toi. Pourquoi tu ne sors pas? Toi, bande de bourriens que tu es. Et tu te dis que tu es caché. Mais on va te rappeler que tu es. Il faut dire que tu es arrêté. Il tâche, ben là. C'est quand c'est chaud, ça devient plein un coup. Tu n'as pas dit typé. Tu n'as pas dit typé. C'est pas d'Annie Blanc. Tu n'as pas dit typé. C'est pas d'Annie Blanc. Tu n'as pas dit typé. Aujourd'hui, il y a drap. Nous, on est là. La Côte d'Ivoire est là. 2020 a passé. On a écrit. Papa est toujours président. Bande de chiens que tu es. Nos parents que tu as assassinés au nord. Partout en Côte d'Ivoire. Toi. Toutes les souffrances du monde, tu vas avoir. Parce que Dieu dit de ne pas ôter la vie à une seule personne. Si vous faites ça, vous avez ôté la vie à toute l'humanité. Guillaume Soro. Ah, si c'est ça, c'est que c'est le bon complet. Toi, tu es assassiné. Et voilà, toi, aujourd'hui, on dit tu as tout, mais tu es un mauvais perdant. La Côte d'Ivoire, tu te dépasses. On n'a pas besoin d'un fétiche, un fétiche qui n'a pas étudié, qui a passé tout son temps avec machette. Et réfléchis qu'il va diriger la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est pas tant les. Côte d'Ivoire, c'est le plus. Côte d'Ivoire, c'est pas beau. Hein. Faut laisser ça. Il faut aller. Je sais que les jours, tu as rentré, mais tu vas te perdre. Parce que toutes tes terrasses là, il n'y a pas beau là. On présente tout effacé. Donc, éclairé, je dis merci à tous les Mao. Merci à tous les Chao. Merci, merci, merci aux Ivoiriens. On dit merci à les Ivoiriens. Tiens, les Ivoiriens sont très intelligents. On aime les bonnes choses. Eux, le président. Nous donne beaucoup de bonnes choses. Monsieur le Président de la République, que Dieu vous donne l'envie, la santé, progrès, surtout, la richesse encore. Plus puissant, parce qu'on en a besoin. Tout ce que vous avez, tout ce que vous gagnez, nous les Ivoiriens, on se lève matin, on voit ça, c'est déposé. Oh, pourtant, on ne voit même pas quand vous partez chercher, quand vous signez, mais on fait que sentir la bonheur, le bonheur et le développement. Ainsi que l'encadrement de nos jeunes. Surtout, mes frères chauffeurs de Baga, franchement, monsieur le président, on vous dit merci. Les chauffeurs sont très contents. Et ils promettent toujours de dire, un chauffeur de Baga là, c'est nous, on a les vrais sons. Tout le monde monte avec nous, et tout le monde paye pour eux. Et on prend ce qui est important dedans, et on travaille avec ça. On doit construire ce pays avec tous les enfants ivoiriens, même un ministre. Chacun a son rôle, c'est ce que le président a dit. Il dit ainsi, le président, je suis censé. Enjeu, comment dirais-je, tous les bonnets, mais c'est à vous d'aller. Tout ce qu'on va organiser, que ce soit formation, que ce soit les emplois, que ce soit l'éducation, c'est nous, on doit se mettre au travail. Selon le président, lui fait que tracer les chemins, et il a bien tracé. Il n'est pas président de. Comment dirais-je je ne veux pas dire son nom, mais vraiment, Babou. Donc, ce n'est pas nos problèmes. Très éclairé, je vous dis merci. Si vous avez quelque chose à ajouter, vraiment, je serai à le coup. Okay. Vraiment, j'aimerais vous dire merci. Quand on voit cette joie que vous dégagez, avant de continuer, j'aimerais saluer ici un de nos aînés pour qui nous avons plus que du respect. C'est l'aîné KS. Il comprendra de quoi il est question. Vraiment, être même présent, c'est plus qu'un honneur pour nous. Et déjà, je salue aussi Olivia Pope, ainsi que notre mère Sally Bamba McLean. Et je salue aussi la mère d'or au travail. Mais vous pouvez être rassuré d'une chose, même si on dit qu'on n'a plus de goût là, même si on dit que quelqu'un n'a plus de goût là, qui ne sait même plus ce qu'il veut là, on n'a pas besoin de tricher en face des babos. Ça au moins là, tout le monde comprend ça facilement. Mais si ce revêt président n'a qu'à venir battre campagne en Côte d'Ivoire, c'est aussi de ça qu'il est question. Sinon, s'il reste en Ouzbékistan pour battre campagne là, les soroïstes ne vont pas l'entendre. Donc tout ça, c'est du flak tout voxis et nous continuons dans la réalité.
Et donc, je disais comme ça, le cyclone, voyez-vous, moi, ma plus grande joie, quand j'ai chaque fois l'habitude d'aller à Abidjan ou en Côte d'Ivoire, quand je vois les citoyens ordinaires se débrouiller et les gens ont une tranquillité, une sérénité, je me dis, mais mon Dieu, les gens circulent, les gens font tout. Ça me plaît. Et je me dis, vraiment, voilà ce que la vie doit être pour chacun. Et aujourd'hui, quand vous dites qu'aujourd'hui, les chauffeurs sont vraiment plus menacés du tout, c'est vraiment important pour moi. Parce qu'on a fait, dans ce pays-là, on a fait un temps où on ne pouvait pas faire 3 jours sans qu'on nous dise qu'un ou deux chauffeurs avaient été tués. Et pour quelle raison? Non, refus d'obtempérer pour remettre 100 francs, mais 200 francs. Et donc, il fallait un homme comme le président Ouattara pour forcer au changement des mentalités. De la même manière qu'on a fait arrêter les crimes contre les populations, en neutralisant les escadrons de la mort, en neutralisant les brebis galeuses, pour que les carnages au sein des chauffeurs cessent là. C'est comme ça qu'on va mettre fin aux baboïstes. On va vous couper toute envie d'être des gens dans le désordre et dans l'anarchie. Comptez sur nous. Parce que le maître que nous on a là, c'est quelqu'un qui est très méthodique. Alassane Ouattara, que nous, on a là, c'est quelqu'un qui est très méthodique. Maintenant, les élections sont finies, on peut vous dire certaines choses. Victoire que vous voyez là. Depuis l'année dernière, on a commencé le travail. Depuis fin 2021, là, on a commencé à travailler sur ça. Pour beaucoup de personnes, c'est une surprise. Mais pour nous, ce n'est pas une surprise. Parce que nous avons un homme qui obéit à une méthode. On a un homme qui obéit à une méthode qui est infaillible, c'est-à-dire la rigueur. Il s'appelle Alassane Ouattara. Et un homme qui n'est pas dans le sentimentalisme, encore, à se distraire lui-même. C'est ce résultat-là qui est là. Aujourd'hui, là, on vient d'enterrer votre Laurent Gbagbo. Partout où on va aller, là, les gens vont dire, mais regardez. Regardez la coloration du drapeau électoral. Vraiment, dire qu'il y a X, Y, Z. Les 26 lettres de l'alphabet se sont mis ensemble, donc c'est ça qui fait que c'est A qui est petit. On va dire non, la réalité a déjà parlé. Et ce que nous demandons à nos militants et aux Ivoiriens en général, c'est d'être serein. C'est d'être serein et d'être encore serein. Mais encore plus, d'être vigilant. Si tu es dans ton quartier, que tu vois quelqu'un qui est bizarre, il faut le signaler. Si tu es là, que tu entends quelque chose, il ne faut pas prendre la responsabilité d'hésiter. Il faut informer les autorités ou bien il faut informer les personnes qu'il faut. Il est toujours mieux de vérifier. Vous avez vu la semaine passée, il y a 57 militaires burkinabés avec des Kolwego. Les Kolwego, ce sont les miliciens, pour simplifier l'équation. J'ai dit, les terroristes là, les ont djinzins comme ça. La gueule percée de Traoré, il est assis à Ouaga là-bas. Alors que ses camarades se font tuer. Mais un beau matin, lui aussi, il aura sa gueule cassée. Parce que ce qu'il a reproché à celui qui l'a enlevé là, lui-même, il est venu là, il n'a pas fait mieux. Et donc, il sait comment il va finir. Mais pour nous, les Ivoiriens, nous remercions déjà nos autorités pour les grands efforts qu'ils font. Ils sont dans une situation totale d'anticipation sur les événements. Et aujourd'hui, nos autorités ont pu couper toute envie aux djihadistes même de venir faire des propositions, en tout cas sur le sol ivoirien. Ça, il faut qu'on salue le gouvernement. Souvenez-vous de l'époque où, vous vous souvenez ici, je peux maintenant donner certains détails, puisque l'affaire est passée. Soro Guillaume faisait dans du recrutement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait venir des personnes qui étaient postés dans les zones nord, surtout à Ouagadougou, dans les encablures de Ferke et à Odiéné. Et ils ont menti aux gens qu'eux viennent pour recruter des jeunes gens pour aller travailler dans des usines de cacao, de café, etc., etc. Et directement, je n'ai jamais vu un employeur qui donne 100 000 francs avant même d'avoir commencé le boulot. Et après, on te promet une moto et puis un bœuf. Dès que Soro Guillaume a commencé ça là, vous la population, vous qui l'a contacté, vous vous connaissez, est-ce que vous ne m'avez pas
appelé pour me donner les numéros des recruteurs là. Nos gars les ont frits. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Puis on a traité le problème. Aujourd'hui là, c'est le gouvernement d'Alassane Ouattara qui va vers la population et qui dit, toi tu ne veux pas agrandir ton business, toi tu ne veux pas évoluer dans ce que tu fais. Aujourd'hui là, c'est ça, la meilleure arme contre le terrorisme. Contrairement à ce que des idiots pensent, c'est l'anticipation et une méthode qui est infaillible. C'est-à-dire, il faut conquérir le cœur et les esprits. En même temps que tu es en train de conquérir les cœurs en leur donnant ce que le cœur aime, il faut aussi conquérir l'esprit en éduquant. Et vous voyez, quand on arrive à rendre les cœurs joyeux, en aidant des gens à faire évoluer leur business ou bien leurs conditions de vie, on leur dit, allez aussi à l'école, c'est important, éduquez-vous. On a parlé la semaine avant-hier. Il y a aujourd'hui dans les centres de resocialisation et autres aujourd'hui, les centres que Mamadou Touré est en train de construire là. Si tu vas là-bas en 2 mois, tu vas savoir lire et écrire. Je n'ai pas dit 3 mois, je n'ai pas dit 4 mois, je n'ai pas dit 2 ans. En 2 mois, tu vas savoir lire et écrire. Toi, tu penses que toi, tu vas ouvrir ton esprit et puis c'est des bouviers, tu vas les suivre, des djihadistes, des perdus, des habitants de l'enfer. Et donc, chère population, continuez à être différent de ceux qui ont choisi le retard comme un modèle, de ceux qui ont choisi l'anti-développement jusqu'à même. Leurs représentants seulement les applaudit que non, quand vous êtes dans la période de la préhistoire, c'est ça qui est bon. Nous là, on préfère l'évolution de Alassane Ouattara. Nous là, il n'y a pas quelqu'un qui va nous enlever sur ce que Ouattara nous propose. Parce que nous, on voit notre bonheur dedans. Chère population, tout ce qu'on vous demande, si tu as vu quelque chose, tu sais que ça peut être une menace. Il faut signaler ça au sous-préfet, au préfet. Ou bien tu signales ça à une autorité. Il ne faut même pas signaler ça à un voisin, sinon ils vont aller gâter ton nom. Si tu vois même que c'est gâté là, il faut venir ici, tu me dis ça, tu me laisses même le vocal, on va faire remonter. Et donc, on a déjà fait un très long chemin ensemble. Il faut qu'on continue ce chemin-là pour que vous, en Côte d'Ivoire, vous puissiez vivre. Pour que vos vies soient sécurisées et garanties. Aujourd'hui, là, les autorités là, ne sont pas, surtout les autorités militaires, policières et, je vais dire, de tout le corps de force de sécurité et de défense. Il n'y a pas eu une période en Côte d'Ivoire où aujourd'hui, qui peut dire aujourd'hui qu'il a peur d'un gendarme en Côte d'Ivoire ou d'un militaire? Ils ont même changé les mentalités aujourd'hui. Quand ils les voient, on les considère comme nos propres frères. Et eux aussi se respectent. Et tout va très bien. C'est comme ça qu'une société doit être. Toi, ton boulot, ça ne doit pas effrayer les autres. Et donc, n'ayez point peur de qui que ce soit. Continuez à dénoncer les malfaiteurs. Et surtout, n'accueillez personne dans vos mosquées. Ah non, Kevin quoi, si tu es arrivé, les gens de Paris disent qu'ils ont besoin de toi. Donc, dès qu'on finit le direct là, faut rentrer en contact avec moi. Je vais te mettre en contact avec, je vais te donner les images de profil là, tu rentres en contact avec eux. Peut-être qu'on ne sait jamais où, peut-être qu'ils ont prêté un gros plat pour toi ou bien. Ah, peut-être même que ces visas ils vont te donner, qui sait. Si c'est moi là, je vais appeler où. Donc ça c'était pour faire dans la distraction. Mais il faut les appeler, c'est très sérieux. En off, je vais te donner les coordonnées pour que tu puisses entrer en contact avec eux. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, là, djihadistes, là, c'est qui n'aime pas, là, c'est population éduquée. Les sorogium, là, c'est qui n'aime pas, là, ce sont les populations éduquées. Et puis, les populations qui se défendent, là, ils n'aiment pas ça. Parce que quand ils viennent, ils vont vous blaguer avec quoi? C'est les mêmes groupes comme les babos, là. Et donc, si toi, tu es quelque part, partout où tu es en Côte d'Ivoire, tu as vu des gens bizarres là. Il ne faut pas jouer le Rambo, il ne faut pas être fort. Il faut te lever simplement, tu viens signaler. Tu as joué ton rôle. Chère population, à travers notre plateforme, on a fait beaucoup, 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 beaucoup de choses. Grâce à vous, les élèves de la classe, on a fait arrêter beaucoup de personnes. Ça, je ne vais pas vous mentir, je vais vous dire ça aujourd'hui. Grâce à vous, les élèves de la classe, vous êtes des milliers. Les renseignements que vous nous faites venir là, quand on remonte, il y a d'autres c'est vrai, il y a d'autres c'est pas vrai, il y a d'autres même c'est un peu bizarre. Et puis quand on fouille là, on s'en va découvrir des choses plus graves même que ce que vous avez vu. C'est tous ces groupes de gens qui viennent ici là, il faut montrer ta tête, il faut montrer ta tête. C'est pas affaire de tête. Quand tu ne fais rien de mauvais là, tu te plains pas. Donc là, il faut qu'on continue ça. Si des gens viennent et disent qu'ils vont dormir dans la mosquée là, il n'y a aucun livre religieux qui dit que le temple ou même la mosquée est un hôtel.
Le prophète de l'islam même chassait les gens de la mosquée. Après l'heure de la prière, il dit, quittez, allez vous défendre. C'est ça que tu vas venir transformer en hôtel. Non, parce qu'ils savent maintenant qu'on a digitalisé les infos sur les hôtels en Côte d'Ivoire. Même djihadiste, même là, quand il vient, il ne sait pas où dormir. Donc là, on ne va pas vous laisser. On ne va pas vous laisser. On ne va pas vous laisser tuer les familles des gens en Côte d'Ivoire. On ne va pas vous laisser installer le désordre en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Ce combat-là, chère population, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on doit le mener. Pour nous, les militants du RDR, je dis bien pour nous, les militants du RDR, nous devons être derrière nos dirigeants qui font satisfaction et honneur au guide, Alassane Ouattara. Nous, on n'a jamais dit deux langages. Tu as respecté Ouattara, là. Nous, on devient tes moutons en même temps. Mais tu as fait petite erreur pour ne pas respecter le président Ouattara, là. Même si tu ne nous as rien fait, là, on va chier dans ta bouche. Donc, les cadres qui vont comprendre, faire le travail pour satisfaire les populations, comme de la manière Ouattara a satisfait les Ivoiriens, là. Ah, vous, là, on ne va jamais parler de vous. Mais les cadres qui sont là, qui veulent faire le double jeu et qui veulent en même temps récupérer l'argent, l'argent, là, c'est le bien public. Investissez ça là où ça doit être. Et puis même là, si vous travaillez bien même là, ça fait quoi même? Les cadres vauriens là, les cadres qui n'aiment pas travailler là, si vous faites même semblant de bien travailler là, ça fait quoi? Parce que Bakongo est venu là gâter vos noms. Hein? Bakongo est venu là, il n'est pas plus intelligent que vous, mais il a gâté vos noms. Donc là, un jour va venir, on va vous appeler, on va vous attacher, et puis on va vous demander là, si tu travailles même là, ça fait quoi? Ah non, et moi, je ne suis pas habitué au travail. On va t'habituer au travail. Le cyclone vous a déjà averti. Maintenant, là, c'est 2025. On a 2 ans pour réfléchir. On a 2 ans pour renforcer le parti. Ça ne sera pas 2 ans chômé, hein? Mais on ne va pas chômer comment? Vous pensez que c'est du PPAC on va venir parler? Le PPAC il représente 0,6%. On est dans le monde, là, il y a 3 types de personnes. Il y a ceux qui font le monde. Il y a ceux qui commentent les événements du monde. Et il y a ceux qui sont perdus. Eux sont perdus. Ils ne savent même pas. C'est eux-là, quand ça m'a fait vote, là, ils sont. Eux disent, moi, je ne sais pas où. Moi, je ne vote personne. Moi, je n'ai rien à dire. Tout me convient. Soit tu es un homme perdu. Sinon, là, un homme-là, tout ne peut pas te convenir. Tu ne peux pas ne pas savoir ce que tu veux. Donc, pendant ces 2 ans-là, on va corser notre machine. Pour enlever toute la pourriture du parti. Et on va le faire avec la réflexion stratégique et anticipative. Ça veut dire qu'on ne va pas s'asseoir pour être surpris comme en 2020. Ah, mais il y a tel qui n'est. Hey, on va tout mettre au plat. Tous ceux qui peuvent voler avec le président maintenant, là, on va le savoir d'ici les 6 mois à venir. Et tous ceux qui ne peuvent pas être utiles, là, on va vous mettre à côté. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Et puis, regardez la suite des événements. On a déjà la base de ce qu'on recherchait. Maintenant, on veut consolider cela. Qui veut être avec nous? Ou mais qui veut ne pas être avec nous? C'est un choix. Mais le travail, là, ça sera fait. Et ça sera fait sans état d'âme. Parce que ce soit le président Ouattara lui-même et que ce soit les cadres qui sont sincères avec le président Ouattara, on va les renforcer, on va les appuyer et on va leur donner l'autorité et toute la reconnaissance qui va avec pour les rendre plus forts que quiconque. On ne va plus hésiter. Là où on est arrivé aujourd'hui, là, on n'hésite plus. C'est le président Ouattara seul qui est le seul guide. Ce qu'il dit doit être. Et ceux qui travaillent et qui font, voilà Mamadou Touré aujourd'hui. Ça fait combien de mois on n'a pas parlé de lui? S'il continue à faire ça, voyez-vous, lorsque nous critiquions Mamadou, d'aucuns n'avaient pas imaginé. Il y avait 2 clans. D'autres ont dit, ne le critiquez pas, il est bien parce qu'eux gagnaient des gombos avec lui. Tout s'est passé devant tout le monde. Nous, on ne veut pas gombo. Mais on va te critiquer jusqu'à ce que tu changes. Si Mamadou Touré n'avait pas changé, le président n'allait pas lui faire confiance pour l'envoyer dans le Haut-Sassandra. Ça, il faut qu'on vous dise ça. Parce que on ne critique pas n'importe qui. Et aussi, si quelqu'un qui est critiqué, mais qui tombe de par la critique, c'est que c'est un faible.
on ne choisit jamais les faibles pour diriger. Mais quelqu'un qui peut accepter la critique et évoluer et s'améliorer, c'est quelqu'un qui peut aller loin. Nous, on ne sera pas dans l'hypocrisie ou même dans le sentimentalisme pour dire non, allons doucement. Parce qu'il y a la vie de nos militants derrière. Il y a la vie des populations. Et au-delà de tout ça, il y a la dignité du président Ouattara. Je dis bien la dignité du président Ouattara. D'aucuns peuvent penser que c'est de l'amusement, mais pour nous autres, c'est plus que du sérieux. C'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Mais Alassane Ouattara, là, on n'a pas et ne faisons pas l'erreur d'entacher sa dignité. Il a trop donné, il a trop fait, il a trop encaissé. On n'a pas dit d'aller frapper quelqu'un. Mais si nous-mêmes, là, on n'adore pas nos fétiches, là, ce n'est pas les autres qui vont venir adorer notre place. S'il vous plaît, profitez de la victoire là pour faire asseoir le vieux. On va le faire pleurer. On va lui dire son vrai nom. On va lui dire, même si le monde le déteste, là, nous, les militants moutons qui sont restés là, après le massacre de Laurent Gbagbo, après les charniers là, nous, on est encore vivants. Et puis, on est avec le vieux. Même s'il dit, va nous enterrer vivants, on est avec lui. Ça là, il faut qu'on lui rappelle ça. Le vieux a trop souffert. Et il en a encaissé. Ne pensez pas que les grands hommes ne souffrent pas. Les grands hommes sont grands parce qu'ils savent encaisser la douleur. Parce qu'ils savent supporter. C'est ça qui fait les grands hommes. Leur capacité à pouvoir supporter ce que l'homme faible et l'homme ordinaire ne peut pas. Sinon, si c'était le bonheur. Ah non, il est grand parce qu'il y a trop de bonheur sur lui. Hé, hey, frère, ne nous blaguons pas, hein. Il y a beaucoup qui sont là, ils veulent être président, mais quand il est nommé, il dit, yeah, c'est chaud. Si je savais, je n'allais pas prendre. Ce n'est pas facile. Et je remercie la dignité des militants. La dignité des militants vrais. Regardez, à travers ces élections-là, quand les militants ont parlé d'une voix, que des gens égarés comme Isaac Nguessan sont venus dire ici, je parle de Nieba, toi, tu te lèves, tu enlèves dans ta bouche là que les militants n'ont qu'à désobéir la parole de Ouattara. Ça là, c'est pire que coup d'État, frère. Ce que tu as dit là, c'est pire que coup d'État. Dans certains pays là, on allait lancer un mandat contre toi. Mais ce que je peux te dire, ne pense pas que c'est fini. Parce qu'une fois que tu sors là, c'est téléchargé, ça est là. C'est un avertissement que moi je te donne. Ce n'est pas une menace, hein, mais c'est un avertissement. Tu t'es compromis gravement. Et tu t'es compromis très gravement, cher frère. Mais demain décidera de ce que c'est. Moi, je n'ai rien à te dire sur ton destin. Tu es l'homme le plus éduqué de la terre. Tu es l'homme le plus sachant. Tu es un docte, tu es un savant, un philosophe. Et donc, tu sais pourquoi tu as dit ça. Et donc, voyez-vous, ces événements ont permis de voir certains ennemis au sein du RHDP. Quand ça les arrange, ils adaptent leur discours. Mais on va aussi corriger cette situation-là parmi les communicants. Tous les canards boiteux, tous ceux qui sont des défaillants, on va vous mettre à côté. Aujourd'hui, là, nous avons les moyens de nous assumer. Hier, vous avez dit que nous n'étions pas là à l'école. Bon, on est là à l'école maintenant. On est venu maintenant. On va prendre notre place et on va s'assumer. On n'a plus besoin de mercenaires pour éduquer nos militants. On peut s'éduquer nous-mêmes. Parce que, chers militants, prenons notre destin en main et assumons-nous auprès de notre leader. Notre leader est une pièce rare. Apprenons à faire confiance en nos propres militants parce qu'on sait qu'au moins eux, ils ne vont pas nous trahir. C'est vraiment très important. Je salue ici tous les cyber-militants qui ont parlé d'une voix et qui ont apporté beaucoup à cette victoire-là. Ce n'est pas quelqu'un individuellement qui a le mérite de cette victoire-là, c'est nous tous et c'est tout le monde. Vraiment, nous vous disons tous merci. Et on va aller à la conclusion. Il y a un frère qui voulait prendre la parole. On va déjà inévitablement vers la fin. Je vais l'ajouter, le frère, et puis lui donner peut-être 5 minutes et on va aller à la conclusion avec les personnes qui étaient dans le panel. Et donc, vous me permettrez d'ajouter le frère. Et donc, on va ajouter le frère. Dès qu'il aura parlé, on va pouvoir progresser.
Ok. Il me semble que nous avons quelques difficultés techniques. Et donc, je vais couper le cyclone et après réajouter le cyclone pour pouvoir aller vers la conclusion. Alors, bonsoir. Bonsoir, cher frère. Comment allez-vous? Dieu merci. Dieu merci. Je salue tous les membres du groupe. Je sens de la sérénité dans ta voix, là. Ou bien c'est la sérénité du vainqueur. Vraiment, je suis tellement content que tu peux pas... Surtout, Babo, on avait mis le nom. Babo, des choses, là. Babo, le Gepong, là. C'est chaos-là, mec, qui m'a plu que tout. Moi, c'est les 0,6%, là. Quand je vois ça, non, ça glace mon cœur comme ça. Non, j'ai dit, tellement ils ont mis le gars KO. Tu vois comment il a rougi là. Quand ils disent qu'ils vont faire réclamation, c'est la honte en fait. Ils n'ont rien de bon en main. C'est la honte. Je ne sais pas quoi dire, c'est la honte. Non, ils ont bien dit, je vais réclamation. S'ils n'ont pas dit, ils vont dire quoi d'autre. Ils n'avaient pas à proposer aux gens. En tout cas. Ils ne m'aiment pas goudron, ils ne m'aiment pas bon. Ils vont proposer quoi? En tout cas. C'est pas qu'au fou? Oui, pied de porc. Non, ils n'ont rien à dire. C'est un KO technique. Ils n'ont rien vu dans ce que c'est 2025, c'est bouclé. Babo, là, il vient de signer son arrêt politique. C'est pas, il n'est pas mal, il vient de signer. Maintenant, au RHDP, moi, le suspect que je vois dans c'est Mordo Sanogo. Il faudrait presque dans le bas là, tous les candidats indépendants, là, ils ont été financés par Mordo Sanogo. Il faut faire ton enquête, si tu vas voir Mordo Sanogo. Les candidats indépendants, 70% ont été financés par Mordo Sanogo. Et c'est pas maintenant qu'il a commencé. C'est-à-dire que Djalbaré, c'est le suspect de Soro qui se trouve chez nous. Moi, c'est comme ça que j'imagine. Maintenant, le deuxième, c'est celui de Cocody. Je ne sais pas comment ça se déroule actuellement. Pour Cocody? On va voir comment elle déroule. Ouais. Bon, on attend de voir ce que l'enquête va nous déclarer. Mais ce qui est intéressant, comme je disais en début d'émission, Dieu merci, ce n'est pas Éric Tabar qui a initié cette plainte-là. C'est... Oui. La plainte est venue de la dame Yasmine Ognin. Oui. Mais tu sais que depuis les époques du PDC, ils ont parlé de la technique électorale. Ils ont plusieurs stratégies de fraude. Et elle, PDCI, lui-même PDCI, elle n'étant pas contente parce que Parti indépendante ayant perdu, avec des collaborateurs, ils ont signalé une certaine partie des fraudes. Nous, c'est intéressant pour nous. On veut voir jusqu'où ces fraudes-là vont et comprendre leur mode opératoire. Ouais. C'est dire qu'il vient de faire parler du PRO, en fait. C'est dire qu'il a fait son parler. Donc, c'est qu'on a fait découvrir sur un peu. La vérité va sortir après. La vérité va sortir. Donc, voilà, c'était pour dire ça, pour dire que je suis très, très content. Et le mot me manque même. Le mot, surtout, le mot me manque. Voilà, c'est comme ça. Donc, voilà, donc, bien des choses à tout le monde et vraiment, bonne soirée à vous. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. Continuons le combat et croyons en nous-mêmes parce que nous avons le meilleur leader. Et ça fait de nous la meilleure génération. Et j'aime le dire souvent, dans 10-20 ans, les gens, nous deviendrons des pièces de musée. Les gens vont nous chercher pour dire qu'il y avait des gens qui ont soutenu un vieux qui s'appelait Alassane Ouattara. Est-ce que vous en connaissez dans le quartier? Frère, les gens vont prendre télévision pour venir faire documentaire sur toi. Parce que quand tu vas parler là, tu vas dire c'est nous, on l'a aidé. Voilà comment ça a commencé. Et c'est ça, les hommes en vrai qui existent. Nous, on n'est pas des militants saisonniers qui changent de parole. Depuis qu'on est là, tu as une fois entendu qu'on allait, on allait supporter quelqu'un. C'est Alassane Ouattara ou rien. Ou rien. Même si Alassane Ouattara attache... Moi, c'est RDR. Nous, on est RDR. Nous, on le dit ça toujours. Voilà. Nous, les militants du RDR. Voilà. Il ne faudrait jamais qu'on laisse le RDR mourir. Même si on dit légalement que le RDR n'existe plus, il faut que nous, on soit RDR pour montrer que notre passé, là, c'est notre héritage et c'est ce qui a fait qu'on a eu le présent, là. C'est notre macaron, ça. Donc, voilà. Vraiment, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Bien des choses à toute la famille. Bonsoir à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on va terminer définitivement l'émission du jour avec le cyclone qui va nous donner ses conseils. J'aimerais ici saluer toutes les personnes qui sont restées avec nous aussi tardivement. J'aimerais ici saluer tous ceux qui ont mis le cœur, sans oublier le grand maître Eric Bakayoko, ces milliers de personnes comme Maman Ouragan B69. J'aimerais ici saluer KS. J'aimerais ici saluer deux fois Kevin Kwasi.
J'aimerais ici saluer ces milliers de personnes qui nous suivent comme Youssef, Timothée. On ne peut pas citer tous les noms, mais sachez que vous êtes individuellement pris et salués parce que vous le méritez. Des véritables militants, parce qu'en vérité, cette plateforme-là, si tu n'es pas un vrai militant du RDR, tu ne peux pas être ici. Parce que notre nature de militant RDR, là, nous, on ne va pas laisser. On est très exigeant parce que notre leader, est-ce que Alassane même n'est pas exigeant? Est-ce que le président lui-même n'est pas exigeant? Pourquoi le président n'aime pas les vilaines choses? Ah non, Alassane a fait le plus haut pont. Alassane a fait la plus belle université. Toujours il est dans le superlatif. Toujours il est dans le superlatif. Et puis c'est non, on va venir. Et puis non, on ne sera pas exigeant. Hein? On dit que chacun ressemble à son maître. De la manière que notre maître est exigeant, là, c'est comme ça aussi que nous, on est exigeant. Si toi, tu n'aimes pas ça, là, c'est que tu vas souffrir à un nom. Comment on dit que quelqu'un aime le beau, quelqu'un aime ce qui est vrai, quelqu'un aime ce qui est joli? Non, ça, c'est pas bon. On a qu'à rester dans foufou. Ça, c'est pas nous. Alassane ne nous a pas habitués à ça. Et puis, nous, on n'aime pas les vilaines choses. Même regardez le parti des vilaines femmes, là. Je vais pas dire leur nom, ça commence par M. MGC ou bien je sais pas. Les brogrébés, les carabas. Allez, regardez. Parti des vilaines femmes, ça existe. Nous, on n'est pas dans ça. Donc, c'est pour une manière péjorative quand même, mais pour dire merci, merci infiniment à tous. Merci pour l'effort qui est fait. Continuons à croire en nous-mêmes, parce qu'en croyant en Alassane Ouattara, c'est en nous-mêmes qu'on croit. Je l'ai dit, Alassane Ouattara a déjà tout eu, il a déjà tout fait. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est un chemin qu'il est en train de nous montrer. Voilà ce qui est bon pour vous. Mais est-ce que nous allons être un peuple qui va copier? C'est ça aujourd'hui la problématique du peuple ivoirien. Est-ce qu'on va toujours se condamner dans les anciens modèles? Ah non, Babo était là, on vendait pied de porc à 100 francs. Ah non, 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 chaque soir, on va mettre là, aux atros là-bas pour aller faire danse ou même funérailles après vendredi. Faut rester dans ça. Un jour, toi, on va faire tes funérailles aussi. Comme tu avais signé un pacte avec Dieu que toi, tu n'allais pas mourir, un jour, on va faire tes funérailles aussi au bord de la route à Yopougon. Au lieu de chercher à faire promotion de la vie, toi, tu cherches à ce que les autres meurent. Chaque vendredi soir, toi, tu viens pour venir danser au Monzatro. Il faut continuer. Nous, là, nous, on veut qu'on dise que la Côte d'Ivoire est devenue Petit Paris, New York ou même London. C'est ça que nous, on va laisser à la postérité. Quand tu vas à Abidjan, ceux qui vont à Abidjan, là, quand tu regardes le cinquième pont, là, tu reconnais qu'il y a un garçon qui a passé dans le pays, là. Tu ne peux pas voir pont, là, et puis tu ne demandes pas, mais qui a fait? On te dit non, c'est Alassane Dramane Ouattara. Quand tu vas dans les quartiers, tu vois les routes là, tu te demandes, ah, il y a une route ici. On te dit, ça fait combien de mois tu n'es pas venu? Ça fait un mois, on dit, il faut laisser ça. Si tu as fait une semaine, tu n'es pas passé dans un quartier là, mon frère, c'est fini. Ton un mois, là, il faut garder. Les gens sont en train de mentir sur Internet. Ah non, la Côte d'Ivoire va mal, on ne gagne pas à manger. Votre crétin de crépuscule qui est sur, lui, il est dans leur télévision là-bas. Crétin de crépuscule, il anime émission, il prend un gros salaire. Quand tu le regardes, il a faim. S'il a faim, il peut animer émission. Continuez à suivre les menteurs. Nous, là, notre message, ça ne vous plaît pas. Mais nous, on va pas. Nous, là, on ne se fatigue pas. C'est que nous, on dit là. Vous allez vous décourager, fatiguer, vous allez partir et puis revenir. Mais nous, même message, là, on va dire. C'est comme pour Jésus. Tu vas partir, tu vas revenir, c'est la même chose là. Donc nous, on ne va pas se fatiguer. C'est toi qui vas t'énerver, mais tu vas revenir. Alassane Ouattara, là, on va obliger les consciences à changer, comme de la manière on a pris Yopougon pour dire aux gors, là, vous pouvez continuer à manger vos porcs, vous allez faire vos funérailles, ça ne changera pas. Chaque être humain mérite de vivre selon les moyens et son entendement, tant que cela n'est pas un frein aux autres dans la République. Et c'est ce que l'on a toujours demandé. Si les Djoula disent qu'ils ont porté Boubou, qu'ils portent leur Boubou. Si quelqu'un dit qu'il aime boire l'alcool, mais il boit son alcool. Nous sommes pour la liberté totale. Je n'ai pas dit le libertin et le désordre. Toute liberté qui ne fait pas de mal à d'autres citoyens ou bien à la République, mais qu'on laisse les gens vivre tranquillement sur la terre. Par incapacité politique, on s'attaque à des gens. Ah non, il faut que maintenant, les coups d'État deviennent la norme. Laurent Gbagbo, coup d'État là pour faire, là, c'est garçon qui fait coup d'État. C'est pas Bush qui fait coup d'État. Oh. Sinon là, élection là,
le dimanche soir, là, c'était une très bonne période pour faire coup d'État. Tu allais comprendre ce qui est dedans. Avant de faire coup d'État à quelqu'un, là, on regarde dans ses yeux d'abord avant de faire aussi. On regarde dans les yeux de ses militants avant de faire coup d'État. Essayez. On va enlever ça dans vos corps, comme on l'a dit, la diable dans l'église. Donc, on va laisser le cyclone, lui, va faire la conclusion. Mais merci à tous. Merci à Augustin Ouli. Merci à Binet Sidibé. Merci à ces milliers de personnes qui croient en nous. Et croyons en nous-mêmes parce que quand tu as Alassane Ouattara, tu as la vérité et tu as la sérénité. Et c'est ça qui est le plus important pour nous. Et que Dieu nous garde, qu'il nous préserve du mal, qu'il permette à la Côte d'Ivoire d'évoluer et que Dieu maudisse tous ceux qui ont du mal qu'ils imaginent à l'intention de la Côte d'Ivoire et que ces mots-là leur soient retournés là-bas et que la Côte d'Ivoire soit épargnée et que Dieu permette aux fils et aux filles de la Côte d'Ivoire de vivre en tant qu'un peuple dans l'amour et dans l'unité et que le message de la haine puisse disparaître en emportant avec lui tous ceux qui sont des haineux comme quelqu'un. Je n'ai pas le nom de quelqu'un. On dit quand les gens sont morts, on ne dit pas leur nom. Ça, c'est quand, surtout la nuit. Parce que déjà, là, il sera nuit ici à New York. Donc, je ne veux pas dire son nom. Mais quand tu es haineux là, et puis tu t'en vas là. Bref, là, nous, on était content. Moi, j'étais content. Ça aussi, il faut de la vérité. Parce que si tu es hypocrite là, ça va te rattraper. Quand la valise de la haine est partie là, ah, j'ai dit qu'elle a été devenue léger. Mais il reste encore un deuxième. Peut-être que pour lui, ça sera avant décembre. Décembre 2023. Je n'ai pas dit décembre 2025. Donc là, vous êtes en train de souhaiter malheur. Ah non, on a vu ça ici. Il y aura coup d'État. De la même... Tant que chaque fois que vous souhaitez qu'il y ait malheur à la Côte d'Ivoire, nous aussi, on va souhaiter la mort de Laurent Gbagbo. Madou Keïta, pourquoi tu te moques de moi? Ne vous moquez pas de moi. Hein? Tant qu'eux sont là pour faire des prophéties, pour souhaiter le mal à la Côte d'Ivoire, ce sont nos familles, nos pères, nos mères qui vivent là-bas. Nous aussi, on va se mettre en union de prière et puis dire, Dieu, il faut terminer vieux, on va passer ici. Dieu a foi, hein? Un matin, on va se réveiller. Pour lui-même, ça sera rapide plus que pour l'autre. Pour Benjamin, ça sera plus rapide que pour l'autre, pour l'aîné. Et puis, le pays sera tranquille. Vrai, vrai, là, nous, là, qui peut dire qu'il n'était pas content quand on dit que l'autre est parti? Ah, il n'a qu'à aller là-bas. Nous, on va respirer. Donc, le cyclone, tu as la parole et tu vas mettre fin au discours d'aujourd'hui. Mais toujours est-il que quand même, la vérité va toujours finir par prédominer. Mieux voir du côté de la vérité pour que l'histoire retienne que tu as été un homme digne ou une femme digne. Restons dignes, c'est tout. Le reste, là, ça vient. Le cyclone, vous avez la conclusion. Ok, merci beaucoup, éclairé, vous avez dit un nom là, ça c'est un ancien nom, hein? Ça, c'est... vous avez dit gros, mais il y a un parti là, il faut prendre tous les noms qu'on va s'étudier, il y a Karaba dedans, il y a Brogrobé dedans, il y a qui encore dedans, il y a l'autre là dedans là-bas, il y a Glagla dedans, tu connais Glagla? Glagla, oui. Elle est dedans aussi. Quand le parti là, quand tu t'en vas assister à leur réunion là, c'est ton cœur qui se coupe, visage là. On dirait les masques Yakuba. On dirait les masques Yakuba. Toi-même là, tu seras pressé pour sortir. Ouais. Mais tout ça, c'est la Côte d'Ivoire. Hein. C'est, ça, on a, c'est tout ça qu'on appelle diversité. Hé, Sergine. Frère, les jeunes de Côte d'Ivoire. On vient de dire, Grobé là, elle était là, elle son bruit, son farotage, hein? On ne pouvait pas respirer. Mais voilà, aujourd'hui on ne parle pas d'elle, on ne se rappelle même pas d'elle. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien laissé. Tout ce qu'ils ont laissé là, c'était mauvais. C'était mauvais. C'est-à-dire, ils n'ont pas existé. Mais ce qu'ils ont fait, c'est le mal. Donc, on ne peut pas se souvenir de cela. Mais c'est ce qui les dérange. Ils ont tout eu, mais ils ont tout perdu en même temps. Même leur vie, même. Les jeunes, vous, toi, les jeunes de Côte d'Ivoire,
les Ivoiriens, j'adresse à les Africains, qui peut souhaiter la vie de Gbagbo à lui-même? Jamais. Bon, malgré qu'il a été président par accident, c'est lui là, à un moment donné, qui a dirigé la Côte d'Ivoire. Mais personne ne veut être à sa place. C'est parce que seulement qu'il a dégagé les mauvais exemples, la haine et les tueries. La voie qu'il a choisie, ça n'a pas servi. Ça n'a pas servi, ça n'a pas servi. Lui-même s'est détruit. Est-ce que quelqu'un va souhaiter d'être comme Gbagbo? Non. Mais il n'y a pas un Ivoirien, il n'y a pas un Africain, il n'y a pas un Européen. Je vous dis, il n'y a pas un Européen qui ne veut pas la place du président, qui ne veut pas dire, ah vraiment, si j'étais. C'est parce que le président dégage les bonnes choses, l'amour pour les Ivoiriens, l'amour pour les Africains, l'amour pour les êtres humains. Est-ce qu'on ne voit pas? Chers Africains, chers parents, l'ère d'amusement est finie. Partout au monde, c'est chaud. Dieu merci, nous, on a eu la chance de sortir hors de la Côte d'Ivoire. On se trouve aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, à Paris, partout dans le monde, on dit Dieu merci. Ça, c'est pas rien. L'argent, là, c'est Dieu qui donne. Mais à partir du moment où tu quittes chez toi, même que ce soit en Afrique, si tu quittes chez toi pour aller dans un autre pays, ça doit te servir des expériences. Tu dois analyser et faire attention. On ne doit pas sauter sur tout. Mais je vous assure, je vous dis, le président, c'est un bon exemple pour le monde entier. Mais nous, les Ivoiriens, on a eu la chance d'avoir le président. On a eu la chance, il nous a parlé et on a vu ce qu'on lui a confié. On vous dit ici, pendant la campagne, avant que le président soit président là, quand il faisait campagne là, il disait des trucs. Nous, on était là, on était dans les meetings, il parlait à la télé, on l'écoutait. Et puis, pour parler même, c'était difficile, tellement on ne pouvait pas les laisser parler. Même si même tu veux l'écouter, on nous traquait, on nous assassinait. Ils ont fait. T'as vu? Il y a eu tout ça. Mais sa voix a fini par passer. Parce que la vérité prend l'escalier. Le mensonge va prendre l'ascenseur. Mais la vérité va lui rattraper toujours. Voilà, c'est en face de nous. Qui a sauvé la Côte d'Ivoire? Qui est en train de sauver les Ivoiriens? Qui veut sauver les Africains? Mais eux, ils n'ont rien encore compris. Ils font semblant de ne pas comprendre. Seulement que c'est la haine. Seulement que c'est le président de la République de Côte d'Ivoire. Seulement parce qu'il s'appelle M. Alassane Ouattara. Oh, pourtant, c'est Dieu qui a décidé de lui donner cette mission. Eh, cher Africain, que tu veux ou pas, mission que le président est en train de faire là, il est président avant qu'il soit président de Côte d'Ivoire. Moi, je vais vous dire la vérité. C'est pas avec tout on s'amuse. Et c'est pas tout on doit négliger. Et nous, les sympathisants, nous les Africains, surtout précisément nous les Ivoiriens, l'arrivée des présidents, la mentalité des Ivoiriens, il y a le respect qu'on a sur nous partout au monde. Mais à un moment donné, on n'était même pas fiers d'être Ivoiriens. Voilà, et puis les moyens, je ne vais pas vous mentir, moi personnellement, à un moment donné, je n'étais même pas fier d'être Ivoirien. Tellement mon pays était sale, mon pays était cassé, mon pays n'avait pas travaillé, mon pays c'était la dictature, c'était les assassinats. Mais aujourd'hui, vous regardez. Mais comme les autres n'ont pas eu ça, les autres ne peuvent pas faire ça, les autres n'ont pas eu président, comme président de la République, comme président de Côte d'Ivoire, c'est pourquoi ils sont écrits. Et le programme qui a été copié par le président de la République. Et d'abord, le président il a déjà pensé que vous, l'Africain, si vous vous alliez ou pas, il a déjà réussi sa mission. Chez lui, voilà. Et il a travaillé. Ses preuves, il l'a fait partout, dans les grands pays. On nous a parlé de jambon, la Chine. Et Bakbon, où il a passé là? Montrez-moi un Africain. Montrez. Donc, il n'y a rien de jalousie, quoi. Déposer les armes pour pouvoir avancer. En Côte d'Ivoire, les armes n'ont plus leur place. Les Ivoiriens ont changé la mentalité et l'arrivée des présidents, ils nous ont montré comment faire la politique. Voilà la Côte d'Ivoire qui vient de faire son élection municipale et régionale. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu froufrou. Donc, un peuple
toujours à l'image de son leader. Nous disons merci au président de la République. D'abord, dit merci à Bondier, que Dieu protège le président de la République, ainsi que la Côte d'Ivoire, ainsi que tous les Ivoiriens. Nous tous, on a nos familles là-bas. Que tu sois à l'aise ailleurs, comment, même si tu es multimilliardaire, il faut avoir tout l'argent du monde ailleurs. Tant que tu n'es pas chez toi, tu n'es pas à l'aise. La Côte d'Ivoire, c'est chez nous. Nous avons eu la chance, on s'est copié à un grand leader qui a montré que vraiment, lui n'est pas là pour faire du bruit. Lui, il est là pour travailler pour nous. Il s'est mis à notre disposition. Monsieur le Président, nous allons mourir derrière vous. On ne va pas laisser ça là. On va aller jusqu'à la gare. Le seul problème, Monsieur le Président, qui serait entre vous, avec nous les militants, il ne faut pas nous dire que non, je suis fatigué et je vais partir. Ah, ce jour-là, on ne va pas laisser parce que tu ne bouges pas. Il t'est bougé. Son nom a dit ça. Donc, éclairage, je m'arrête là. Je dis merci à tous les Chao, merci à tous les Mao, à tous les sympathisants. Protégeons nos pays. Glorifions nos pays. Eh, le président n'a pas besoin. On va parler de ce qu'on peut dire. Mais, que tu veux ou pas, là, c'est en haut. Le soleil, là, on ne peut pas casser avec la main. Le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est le soleil d'Afrique, le soleil du monde. Nous sommes avec lui, éclairé. Inch'Allah, demain sera notre jour. Big up à tout le monde. Salam alaikum wa rahmatullah. Merci bien. Merci beaucoup, le cyclone. On dit déjà que ils sont en train, on va t'entraîner, tu vas être le balanceur sur l'avion du Prado. On dit de te dire ça. Je vais mettre ton tournage, faut continuer. Ok. Voilà, et puis, ceux aussi qui veulent jouer le roi, subitement, ils aiment le Prado. Le Prado n'a pas besoin d'amour de quelqu'un. Nous, les vrais militants, là, depuis le début, les Olivia Pope, les Andrea Poké, les Rui de Kerensky, là, les Mohamed Bamba, les Maires Blancs, nous, là, on suffit à Ouattara. Ouattara n'a pas besoin, les Mariam Diallo, nous l'en suffit. On n'a pas besoin du brouhaha ou même du vuvuzela autour du président. Il n'a pas besoin de ça, il n'a pas besoin de club de soutien. Il a besoin des hommes vrais, comme les Tom Chabi, comme les Olivier Amiral, comme les Madou Keita, les Rui de Kerensky, les Aminata Diallo, les Olivia Pope. Voilà. Les Mariama Diallo, j'allais dire, et Amara Bamba. On n'a besoin que de vrais hommes avec les Mohamed Bamba. Tout le reste là, les saisonniers là, ils peuvent aller se faire voir. En tout cas, nous on est là, on ne va jamais changer. C'est ça aussi. Tous ceux qui ont changé là ne peuvent pas venir. Ah non, il est là, ils n'aiment pas. Mais on n'a jamais changé. Mais si toi tu changes tous les jours là, tu changes pourquoi? C'est que tu recherches. Sinon, quand tu as la vraie marchandise là, tu ne changes pas. Nous on ne va jamais changer, nous on est là. Parce que la vérité là, quand tu l'as là, tu es toujours serein. Chers Ivoiriens, continuez à être serein. Le pays est bien dirigé. Et faites-moi confiance. Vous savez que l'homme là, tu peux cacher quelque chose dans ton cœur, mais la bouche te trahit. Si je vous dis que le pays est serein là, le pays est serein, dormez, tranquille. Dieu est le plus grand, mais les autorités veillent et les autorités font le travail. Avec aussi la complicité de vous-même, la population. Soyons fiers de vous, c'est le plus important pour nous. On se retrouve demain. Demain, c'est vendredi. On va faire des analyses. Et on va continuer à faire le travail que nous savons bien faire. Comment aider les Ivoiriens à évoluer? Comment ouvrir les mentalités pour que le monde devienne une place où chacun mérite d'être là? Merci à tous. Et je salue aussi le grand maître Walter Otto, un militant plus qu'engagé. Quand je dis un militant plus qu'engagé, quand je pense à KS, est-ce qu'il faut dire qu'il est un militant? Non. Eux-mêmes, ce sont nos épines dorsales. Nous, on est militants, mais nous encore là, c'est sûr même que nous, on s'adosse. Il y a militants et puis il y a militants. Il y a des militants, nous là. Nous, on est comme les trucs d'igname là. Mais il y a d'autres là. Et puis quand igname monte là, il y a un truc, un bois là. On met là et puis ça s'enroule là. Il y a des gens, ils sont tellement militants là que nous, on s'appuie sur ces gars là. Les KS, les Walter Otto et autres. Vraiment, merci à tous. Les Sally Kone, Augustin Willy, vraiment merci à tous. Merci pour toute la fraternité et l'humanisme aussi. Que Dieu nous garde, que Dieu donne longue vie au président, que Dieu protège les Ivoiriens, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu maudisse tous les djihadistes, que surtout Dieu maudisse tous ceux qui sont en train de maudire injustement pour que leur malheur retourne sur eux-mêmes là-bas. Mais je crois que le verdict est déjà là. Hein? Quand toi-même tu vois, tu es en train de combattre tes soutiens, c'est un signe de malédiction. Mais c'est ça. Mais Dieu ne va jamais laisser la Côte d'Ivoire
tant qu'il y aura un homme qui a un cœur simple et saint comme le président Ouattara. Dieu est là, il entend tout le monde, même le démon même prie. Oh. Le diable même prie. Quand le diable va aller te faire du mal, il a dit, ah Dieu, il faut me permettre, je vais faire ça là. Sinon, sans la permission de Dieu, il ne peut pas. Donc là, nous tous, on prie Dieu. Donc nous aussi, on va continuer à prier de tous les rêves avec les prophéties que vous faites là. Que ça se retourne contre vous et puis Laurent Gbagbo. Vous allez devenir calamité, chute, par fracas. Et puis même là, ça n'a qu'à finir même par chose, comme on appelle même, attaque cardiaque. Crise cardiaque. Mais Prado là, il va vivre jusqu'à lui, mais il va être fatigué. Et puis il va dire, les enfants, on fait comme Olivier, il faut rester. Il dit, je ne peux pas marcher. Nous, on a déjà des gens qui vont prendre fauteuil roulant, on a des gens. Walter là, lui va pousser. Moi, je vais nettoyer fauteuil roulant. Là. Adama Kone, lui va placer le pied. Metiokoura Traoré, lui, il va être deuxième remplaçant pour pousser. Mamadou Diomandé, lui va être là pour enlever les gens. Garde corps, quoi. Style garde corps. Pour pousser, pousser les gens. Le vieux en train de venir. Vieux. Même Ben Ali est petit. Le président de l'Algérie, mais ce n'est pas du pays là. Même fatigué, on va faire avec toi. C'est toi qui nous as habitués à une drogue. Oh. Alassane Ouattara est venu nous donner une drogue. C'est un vendeur de drogue. Alassane Ouattara, c'est un vendeur de drogue. On peut aimer quelqu'un comme ça. Et puis tu vas venir que nous n'a qu'à laisser ça. Sinon, on laisse, on va payer notre drogue là-haut. Bien, tu nous as habitués à prendre une dose là. Ah, il faut trouver quelqu'un. Mais venu nous dire que tu vas quitter là. On attend de voir où tu vas enlever ça. Tout ça, c'est pour faire dans l'amusement, mais c'est pour dire qu'on l'aime. De la manière que les autres le détestent là. Nous, on va le célébrer jusqu'à les gens vont savoir que on va vous forcer à aimer Ouattara à cause de nous. Ouattara là, on va vous forcer, vous allez, vraiment, on l'aime comme ça avec les restes, c'est bon, on n'a qu'à continuer. Voilà. C'est papa de quelqu'un, c'est mari de quelqu'un, c'est grand-père de quelqu'un, c'est ami de quelqu'un, c'est un homme honnête. Il n'est pas un adultère confirmé comme l'autre, le ver de terre. Il n'est pas un vaurien. Vous avez une fois entendu que Ouattara a fait quelque chose et puis il a perdu. C'est pas un perdant. Et puis nous, on va quitter derrière ça. Non, que tu vois du Gbagbo, que tu vois du... Voilà ça, maintenant, on a arraché. Dieu est le plus grand et Dieu est le témoin sur toutes choses. Sauf si Ouattara n'a pas été un dirigeant juste. Toutes vos prophéties vont se retourner contre vous. Et ça va se matérialiser pour se concrétiser comme la fin de votre Laurent Gbagbo. Vous dites que vous êtes sorcier là. Nous aussi là. Nous, on est plus sorcier que vous. Non, ça aurait dû être Ouattara. Mais ça ne peut pas être Ouattara. Parce que Dieu là, c'est un Dieu juste. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a dit que ce sont les bons qui vont hériter de la terre? Ce ne sont pas les vers de terre qui vont hériter de la terre. Alors moi, je n'ai rien fait. On dirait un vers de terre. Comme tu n'as rien fait là, tu vas quitter aussi la terre comme un rien, comme un n'importe qui. Mais Ouattara là, même si tous les Ivoiriens le détestent là, le pont là, on va regarder, on va dire c'est lui. Autoroute du Nord là, c'est lui. Il y a quoi encore même là? Cité, hein? C'est lui qui a envoyé l'eau dans notre village. Depuis 1960, c'est lui qui a mis courant dans mon village. Quand on dit ça là, ça fait mal à la tête des gars comme ça, et puis le corps chauffe. On dirait batterie Shintok. Ah, mais depuis 1960, c'est le Mossi là qui a envoyé le courant. Mm-hmm. Dites même qu'il est Mossi. Ça nous plaît. C'est son côté Mossi là même qui fait qu'il ne laisse pas. Parce que le Mossi là, il travaille. Si vous voulez même, dites même qu'il est... Je ne sais même pas. En tout cas, il a marqué son temps. Quatrième pont aussi vient. Quatrième pont là. Vous n'avez pas dit que vous êtes à Yopougon. Si vous êtes trop fâché là, ne marchez pas sur pont. École gratuite, tout ça là. Vous voyez ça, au lieu de rêver pour que pont là n'a qu'à vite fini, vous allez pouvoir aller chercher travail. Toi, tu rêves que non, pont là est cassé. Mais le jour que pont là va finir, tu vas passer dessus là. Tu vas faire accident. Toi, gore, tu vas faire accident, tu vas mourir. Tu vas pas mourir un coup, hein. T'as que... Tu seras écrasé d'une certaine façon, mais tu as envie. Mais comme tu dis qu'on ne mange pas route là, les pompiers là, ils vont prendre la route là, et puis route là,
ils vont se perdre sur la route là pour aller voir toutes les nouvelles routes qu'ils ont fait. Ils vont dire, ah, il y avait tellement de routes là. On ne savait plus quelle route manger pour venir ici. C'est là que tu vas comprendre que route là on mange. Où met ton enfant? Quand ton enfant va être dans une crise et puis tu cherches raccourci, c'est sur route que tu vas passer. Merci à tous. Que la grâce de Dieu demeure en nous. Demain, ce sera un autre jour. Et on sera à demain. Merci infiniment. Merci beaucoup, Éclairé. Merci beaucoup. À demain, Inch'Allah. Merci.